Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonsoir à ceux qui sont déjà dans la soirée et bienvenue encore sur la plateforme Éclaireur pour Vérité. En ce 19 juillet 2023, nous vous disons merci de nous être fidèles, merci de partager le message de la fraternité, merci d'aimer la vérité, celle-là même, à travers les arguments qui arrivent à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, nous vous disons merci. Il est toujours mieux de convaincre un esprit que de le vaincre. Parce que toute chose qui est convaincue n'a plus besoin d'être vaincue. Mesdames et messieurs, nous avons trois thématiques à développer en ce jour. Et elles seront suivies d'un bel auditorial de Mère Nefertiti Nefertiti. Et après, on pourra donc donner la parole aux uns aux autres. Vu qu'on est en semaine, on va juste faire selon les moyens que nous avons avant de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Le premier sujet concerne un sujet qui a brièvement été brossé hier, fraude sur la nationalité ivoirienne, un scandale éclabousse des hommes d'affaires libanais en Côte d'Ivoire. Un dossier brûlant secoue les milieux d'affaires à Abidjan. Plusieurs hommes d'affaires libanais sont accusés d'avoir frauduleusement obtenu la nationalité ivoirienne et trafiqué des passeports. Le patron influent d'une entreprise renommée est déjà derrière les barreaux, mais l'enquête suscite l'inquiétude quant aux connexions entre certains acteurs économiques et politiques. Selon Jeune Afrique, l'un des principaux suspects de cette affaire est Abbas Badreddine, directeur général de l'entreprise Plastica, qui jouit d'une forte notoriété dans le pays. L'article rapporte « Il est le directeur général de Plastica, une entreprise très en vue dont le gouvernement utilise l'image pour les campagnes promotionnelles sur l'investissement en Côte d'Ivoire. Son modèle de réussite made in Côte d'Ivoire était ainsi utilisé par le cabinet du Premier ministre Patrick Hachi. L'article de Jeune Afrique mentionne également l'origine de l'enquête qui a été déclenchée suite à une alerte du Qatar. Des ressortissants syriens ont été appréhendés à la frontière du Qatar avec des passeports ivoiriens frauduleux. L'auteur souligne cette affaire, suivie personnellement par le président Alassane Ouattara, a été déclenchée en juin dernier après une alerte donnée par le Qatar au service des renseignements de la présidence dirigé par le préfet Vassiliki Traoré. L'enquête a des répercussions importantes dans les sphères politiques également, notamment en raison des liens entre les acteurs économiques influents et les cercles politiques. L'article évoque le gouvernement avait utilisé l'image de réussite de l'entreprise Badreddine Plastica dans les campagnes promotionnelles d'investissement en Côte d'Ivoire. Toutefois, avec cette révélation choquante, les relations entre certains acteurs économiques influents et les cercles politiques sont mises en lumière, jetant un sérieux doute sur la transparence des processus de naturalisation et d'attribution de la nationalité ivoirienne. L'article poursuit en mentionnant les mesures prises par le gouvernement face à cette fraude sur la nationalité. Cette affaire a pris une tournure spectaculaire avec de nouvelles interpellations dans un établissement de nuit très fréquenté par la communauté libanaise à Abidjan. Alors que les autorités continuent leurs enquêtes, le président Ouattara a insisté pour que toute la lumière soit faite sur cette pratique frauduleuse, marquant ainsi sa volonté de mettre un terme à ce trafic nuisible et préserver l'intégrité de la nationalité ivoirienne. C'est un article de Jeune Afrique qui a été repris ici par Opera News. Et ce qu'il faut savoir sur cette affaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand je dis que ça ne date pas d'aujourd'hui, je prends le gouvernement ivoirien à témoin, l'Union européenne et plusieurs ambassades avaient déjà interpellé les autorités ivoiriennes sur cette question. Surtout l'Union européenne. Ils avaient constaté qu'au sein de l'Union européenne, beaucoup, beaucoup de migrants subsahariens arrivaient en Europe et pour beaucoup qui n'avaient jamais séjourné en Côte d'Ivoire, ils brandissaient des passeports ivoiriens. Et à l'époque, vous vous souviendrez, j'avais dit que les autorités gagneraient à faire l'audit des ambassades
Parce que ce n'est pas forcément d'Abidjan que ces gens-là partent, puisque je vous ai dit déjà que ces personnes n'ont jamais séjourné en Côte d'Ivoire. Et donc vous devez comprendre, vous devez vous poser la question, mais comment ils font pour obtenir passeport s'ils sont jamais, ils n'ont jamais été en Côte d'Ivoire? C'est à partir des ambassades. C'est à partir des ambassades qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu plusieurs fois à interpeller, à demander à l'État de faire un audit financier et surtout un audit des activités et du personnel des différentes ambassades. Parce que dans nos ambassades, des personnes sont incrustées, elles ne sont pas reconnues et elles font leur propre business parallèle. Et c'est ça qui conduit à ce que des gens aient ces passeports-là. Ce problème n'est qu'un élément qui vient montrer au grand jour un malaise qui existait. Voilà des ressortissants syriens. C'est à la frontière du Qatar, on va tous les prendre. Et ils ont des passeports ivoiriens acquis frauduleusement. Et les services de renseignement du Qatar étaient obligés d'appeler les services de renseignement de la Côte d'Ivoire pour leur dire, mais les gars, on ne comprend plus rien. On peut comprendre entre vous noirs, on ne puisse pas faire la différence entre vous, mais comment des Syriens en masse peuvent avoir les passeports ivoiriens? Voyez-vous comment c'est mauvais? Nous en avions parlé, ça vaut maintenant 2 ans ou bien presque 1 an et plus. Si on avait pris le temps de regarder le mensonge qu'on vous avait dit et puis vérifier là, est-ce qu'on en serait à ça aujourd'hui? Si on avait pris le temps de vérifier par un audit financier, un audit du personnel et autres, et même les audits des activités, peut-être qu'on aurait anticipé sur ces problèmes-là. Mais comme il est de notoriété qu'on aime plus résoudre les problèmes que d'anticiper, voilà maintenant. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que c'est un cas de fraude. Je ne connais pas l'ampleur. Mais ceux qui vont dire non, c'est le gouvernement, je dis non, allons doucement. Allez prendre le nombre de naturalisations qui ont été signées par le président Ouattara. C'est le président qui a signé le moins de naturalisations possible. Alassane Ouattara est le président qui n'a pas signé beaucoup de naturalisations, tellement le processus est vérifié. Alors que si on prend un monsieur comme Laurent Gbagbo, allez voir le nombre de naturalisations qu'il a fait dans le vent. Mais cette histoire, la connexion libanaise ne vient pas et ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'époque des Zédines. Donc il faudra que le gouvernement remonte tout ça. S'il veut véritablement mener une enquête, les 10 personnes qu'ils ont attrapées le 17 là, avant-hier, et puis ils ont mis à la Makala, c'est comme une goutte d'eau. Il y en a plus. Et en plus de ça, c'est eux qui favorisent l'entrée de la drogue en Côte d'Ivoire. Je parle des Libanais. Les Sud-Américains là, c'est avec la complicité de certaines autorités, mais surtout de la communauté libanaise, qu'ils font rentrer et transiter la drogue en Côte d'Ivoire pour pouvoir amener ça au Mali et puis faire partie ça en Europe. Donc, c'est deux problèmes liés. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui se disent entrepreneurs ou bien hommes d'affaires ou bien pâtissiers ou bien boulangeries. Regardez combien de boulangeries ont poussé à Abidjan. Regardez combien de pâtisseries ont poussé. Donc, il y a l'argent dans farine. Hein? Donc, il y a l'argent dans pain. Hein? Subitement, il y a près de 10, il y a près de 10, 10 boulangeries, 10 pâtisseries dans un même endroit. Eux tous font comment pour avoir bénéfice. Mais pourtant, eux tous comptent des millions par jour. Il n'y a rien derrière. C'est un écran de fumée. C'est la drogue. Il faut pas se cacher la vérité. Et donc, les autorités, en combattant ça, et c'est fait exprès pour donner la nationalité ivoirienne à ces personnes-là, pour pouvoir les utiliser comme des passeurs de drogue et pour faire des activités dont ils n'aimeraient pas utiliser leur vraie identité. Voilà aussi une des raisons. Moi, je préfère vous dire la vérité. Vérifiez. Et si ce qu'on a dit est faux, venez mettre ça au jour pour dire que vous avez menti. Déjà, quand on vous avait averti longtemps sur le problème, aucune solution n'avait été prise. Après nous, l'Union européenne a eu à avertir le gouvernement d'Abidjan et plusieurs représentations diplomatiques l'ont fait. Mais comme on aime résoudre les problèmes, quand on tire les oreilles maintenant, voilà ça en face de vous. Si on avait attrapé ces personnes de plus belle lurette, on n'en serait pas à ce cas-là. Et donc, c'est vrai que des efforts sont faits, mais si on avait été plus prudent et plus méthodique depuis le départ, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Ça, il faut reconnaître les faits. On passe au sujet numéro 2.
Achat d'un Airbus à 57 milliards de francs CFA par la présidence ivoirienne. Le mouvement LDCI exprime son indignation. Dans une déclaration signée de son président Séraphin Prao, professeur d'économie des universités, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire dénonce l'achat d'un nouvel avion par la présidence ivoirienne. Dans une déclaration, le LDCI, qui dit avoir appris dans la presse internationale le 11 juillet 2023 que la présidence ivoirienne a acquis un Airbus A320neo ACJ d'un coût de près de 115 millions de dollars, soit 57 milliards de francs CFA, se pose des questions. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire se demande si cette acquisition pour le confort du président de la République était indispensable à un moment où la Côte d'Ivoire vit sous perfusion financière du Fonds monétaire international qui, par accord, a décidé de lui prêter 3,5 milliards de dollars pour lui permettre de préserver la viabilité de ses finances et de sa dette dangereusement menacée. S'interroge le mouvement composé en grande majorité d'universitaires et présidé par le professeur d'université Séraphin Prao. Puis, selon le président de la LDCI, les effets de l'accord avec le FMI ont déjà commencé à se faire sentir au niveau des ménages qui voient leur pouvoir d'achat considérablement réduit. En augmentant les charges des entreprises avec sa mesure d'une hausse de 9,6% en moyenne des tarifs de l'électricité, le gouvernement augmente d'autant le coût de la vie et les dépenses des ménages d'autant plus que l'entreprise répercute automatiquement toute augmentation sur les charges, sur les produits. Cette augmentation est d'ailleurs et malheureusement double pour les consommateurs parce qu'à côté de la hausse du prix de la vie provoquée par l'augmentation des charges des entreprises dues à la mesure gouvernementale, de nombreux détenteurs des abonnements prépayés 5 et 10 ampères ont constaté eux aussi un changement considérable. Ça aussi, il faut le reconnaître, un changement considérable au niveau du kilowatt-heure qui leur était attribué à chaque rechargement. Pour le même montant, tout a changé. À titre d'exemple, il est constaté que la recharge d'énergie de 10 000 francs CFA, qui donnait droit à 124 kWh et plus, ne donne plus que 82 kWh pour les 5 ampères et 86,6 kWh pour les 10 ampères. N'a-t-on pas là affaire à une augmentation des tarifs de l'électricité pour les 5 et les 10 ampères? Le mouvement LDCI s'interroge, proteste les universitaires et acteurs de la société civile. C'est pourquoi LDCI considère que cette acquisition n'est pas opportune. C'est dans ce moment de grisaille financière pour les entreprises et pour les ménages, les sacrifices accrus pour les uns et les autres, que la présidence ivoirienne a décidé de s'offrir un avion de prestige plus moderne et plus luxueux, conçu selon les experts pour offrir un confort optimal aux passagers avec le luxe raffiné des jets privés, des équipements de divertissement de pointe et d'autres choses qui n'ont rien à envier aux appareils privés des richissimes hommes d'affaires de ce monde. Et pourtant, la flotte présidentielle ivoirienne est déjà riche de près de 10 aéronefs, souligne le président de la LDCI, comme pour justifier sa prise de position. Mesdames et messieurs, vous savez, nous on ne fait pas ici dans la langue de bois. En tout cas, selon nous, quand le gouvernement n'a pas raison, on préfère être objectif et le dire en face. Mais quand le gouvernement aussi n'a pas tort dans quelque chose, on préfère dire ce qu'on sait. En ce qui concerne les 5 ampères, l'augmentation de l'électricité, ce que l'article évoque, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que nous connaissons la mentalité ivoirienne. Et quand tu connais la mentalité de quelqu'un, tu peux prévoir ses actions. Et nous avons eu à dire ici qu'augmentation, tout le monde la subirait. Quel que soit où vous vous situez, que vous soyez 5 ampères, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, 4 ampères, 5 ampères, 6 ampères, 5 ampères, 7 ampères, ou même 0 ampère, vous subirez cette augmentation. Ah non, laissons ça, ça sera les entreprises.
Maintenant, là, ceux qui ont les prépayés, là, est-ce que ça n'a pas diminué? Ceux qui ont les prépayés des 5 ampères, là, quand tu mettais pour 10 000, là, tu avais droit à 124 kWh. Pourquoi maintenant c'est devenu 82? Ça aussi, ce n'est pas une augmentation. Et là, le gouvernement, dans sa communication, on a tout l'impression que le gouvernement a trompé le peuple. Ça, il faut dire les mots comme tels. Et moi, je l'ai dit, à la base, il n'était pas bien de procéder à une augmentation de l'électricité en ces temps-ci. Parce que, qu'on eût augmenté seulement que les entreprises, elles auraient répercuté sur les produits. Or, nous parlons d'abord fondamentalement de vie chère et comment remédier. Je comprends bien qu'on a des accords internationaux à respecter, mais en même temps aussi, il faut pouvoir ne pas se contredire dans ce que nous faisons. Quand on a augmenté les salaires et qu'on vient augmenter l'électricité, quand on a augmenté l'électricité, c'est le transport qui augmente, c'est tout qui augmente. Donc en réalité, ça vient noyer le beau travail qui a été fait. Ça, c'est un. Mais dans la stratégie même de communication, être capable d'avoir un discours cohérent aide ceux qui vous aiment à pouvoir communiquer sur vos actes. Allez demander, vous qui avez aujourd'hui les prépayés, est-ce que c'est la même chose? Les gens vous disent non. Nous, on avait déjà mené notre petite enquête, mais le roi en sait quelque chose et presque tout le monde se plaignait de cela. Et les gens se sentent trahis dans cette communication du gouvernement. Et ce n'est pas sérieux parce que ça va créer plus de frustration alors qu'on pouvait éviter en ayant soit un message clair pour tout le monde, on a augmenté l'électricité, on passe à autre chose, ou bien on n'augmente pas véritablement. Toujours est-il que c'est déjà fait. Et donc, les uns et les autres vont subir les conséquences. Et donc, ils ont utilisé cet argument pour nous dire que le gouvernement de la Côte d'Ivoire vient de payer un avion. Et c'est à quel type d'avion que nous avons affaire? Nous avons affaire à un Airbus A320neo ACJ. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a payé cet avion-là à 115 millions de dollars, ce qui fait 57 milliards de francs CFA. Et on a une structure qui s'appelle le Mouvement des démocrates de Côte d'Ivoire, qui dit être constitué d'universitaires et des acteurs de la société civile. C'est une très bonne chose. Et quand ils mettent ces titres-là en avant, vous avez l'impression que ce qu'ils disent ne peut pas être contesté. J'aimerais d'abord dire au président de la LDCI qu'on ne mélange pas les poissons et les crabes pour obtenir un autre être. On mélange ou on compare deux situations qui peuvent se comparer. Dans l'affaire d'électricité, là, le gouvernement n'a pas bien communiqué et ils n'ont pas raison. Si on tient compte des aspects de la vie chère, ça, on conçoit cela facilement. Mais prendre deux problèmes, les mélanger, ça devient de la manipulation. Et donc, à travers votre stratégie de réflexion, on perçoit déjà de la manipulation. Parce qu'au moment où l'électricité a été augmentée, qui est sorti ici pour crier son indignation? Personne. Personne, à part quelques rares EPV. Mais de là maintenant, à laisser le problème maintenant s'imposer aux Ivoiriens et maintenant utiliser ce même problème-là pour essayer de montrer que le gouvernement ivoirien n'était pas en droit de payer un avion, c'est faire fausse route. Surtout que vous utilisez un argumentaire qui dit qu'on a déjà 10 avions. Mais c'est très bien. C'est qu'on a beaucoup d'avions. Mais monsieur l'universitaire, ou monsieur les universitaires, être capable d'avoir une réflexion saine et cette capacité de rester objectif. Si tu n'es pas objectif, ta réflexion va toujours être bancale. C'est une réflexion bancale parce que vous ne nous dites pas la date. Depuis quand ces 10 avions-là sont là? Dites-nous, ces 10 avions-là, en quel âge? Ça, c'est une première question que je vous pose. La deuxième question que je vous pose, ces avions qui sont là, est-ce qu'un avion, c'est comme un vélo? Pour dire, non, tant que ce n'est pas gâté, là, on peut l'utiliser. Non. Un avion-là, à partir d'un certain nombre de voyages ou de kilométrages-là, il est préférable de le revendre et de payer un aéronef plus efficace et plus moderne.
Ce que vous reprochez, par contre, à M. Ouattara d'avoir payé un nouvel avion, je crois que c'est faire de la critique inutile à un homme d'avoir fait un plus. Parce que de Bédié jusqu'à M. Laurent Gbagbo, eux, ils ont été incapables même d'apporter un vélo, une bicyclette dans l'aéronef. Et comptez la période de Bédié jusqu'à Gbagbo, de 1993 jusqu'en 2011, avril 2011. Ces avions qu'on utilisait, ça fait combien de temps? Ouattara a pris le pouvoir le 11 avril jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il avait déjà payé un avion? Donc, on vous parle ici de plus de 20 ans. Des avions qui ont déjà roulé pendant 20 ans, il faut le reconnaître, ce sont des saucisses volantes. Et vous demandez à M. Ouattara de rouler dans un avion qui a été utilisé pendant plus de 20 ans et de se faire tuer en l'air quelque part ou même exploser pour vétusté d'un aéronef. Je crois que ce n'est pas intelligent de votre part, monsieur l'universitaire. Et c'est là que vous démontrez sans le savoir que votre raisonnement n'est pas basé sur le bon sens, encore moins l'objectivité, mais plutôt sur une haine inavouée d'un homme qui est un créateur de richesses. Parce que si Bédié et Gbagbo n'ont pas été capables d'apporter même ne serait-ce qu'une bicyclette dans l'aéronef, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Et pourquoi ils ne pouvaient pas? C'est parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent en acquérir. Pour acquérir de tels avions, il faut être capable d'être un homme qui a les moyens de sa politique. Et Alassane Ouattara a créé les richesses. Depuis qu'il est venu, quel que soit ce que vous êtes et ce que vous faites, on est d'avis à reconnaître que Alassane Ouattara sait comment gagner les financements. Alassane Ouattara sait comment investir. Alassane Ouattara sait comment gagner retour sur investissement. Et l'exemple, le pont Henri Konan Bédié là, on a construit avec l'aide des Français, mais aujourd'hui on a pu repayer le pont. Le pont là appartient totalement à la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre vous disait ça ici hier, en 2022 là, on a fait un bénéfice de 17 milliards. Sur le pont Henri Konan Bédié seul. Donc ne me dites pas que les péages, là, on n'a pas fait de bénéfices. Les différents péages, là, il faut les compter. Et puis, il faut prendre les bénéfices, là. Les 57 milliards, là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Et c'est là que vous allez comprendre. Quand vous dites qu'on a fait une levée de fonds de 3,5 milliards de dollars à partir du FMI, mais monsieur l'universitaire, soyez honnête avec vous, avec vous-même. Quelles ont été les raisons officielles de la levée de ces 3,5 milliards? Est-ce qu'ils ont dit que c'est pour payer avion? Non, les raisons ont été clairement évoquées. C'est vrai que vous et moi, nous conviendrons que les méthodes du FMI ne sont pas toujours justes pour nos pays. Ça, on est d'accord sur cet aspect-là. Mais ne mélangez pas des choses qu'il ne faut pas. La levée des fonds de 3,5 milliards a été effectuée bien avant l'achat de l'avion. Et donc, les raisons aussi ont été évoquées. Le gouvernement a été plus que clair et transparent dans les raisons, et vous les connaissez très bien. Mais vous faites une fuite en avant en n'évoquant pas ces raisons-là. Vous voulez mélanger deux situations et vous dites que le pays est sérieusement endetté. Le pays est endetté parce que les dettes qui sont prises sont introduites dans l'économie réelle pour produire des biens de consommation, pour produire des infrastructures. C'est pourquoi toi, tu peux taper ta poitrine pour dire que tu es professeur d'université. C'est bien qu'on crée là. C'est avec ça qu'on te paye ton salaire, M. Séraphin Prao. Et donc, ne sois pas fier de faire dans la mauvaise foi en ne reconnaissant pas la vérité. Et donc, je vous dis, vous avez fait carrément hors sujet en prenant des thématiques qui n'ont rien à voir avec le sujet principal que vous auriez dû développer. C'est-à-dire comment l'avion a été acquis? Est-ce que l'avion a été acquis avec une dette? Est-ce que l'avion répond aux besoins du moment? Et pourquoi le gouvernement a payé cet avion-là? Si vous aviez posé la problématique sur ces trois axes de réflexion, on aurait été capable de vous prendre un peu au sérieux. Maintenant, revenons à la question essentielle qu'il n'a pas répondu. Pourquoi le gouvernement ivoirien a payé cet avion-là? Le gouvernement ivoirien a payé cet avion-là
Parce qu'un gouvernement qui se respecte et un gouvernement qui se veut efficace doit être et doit s'adapter à l'ère du temps, doit être capable de ne pas vivre dans l'époque de la préhistoire, parce que le prestige de la Côte d'Ivoire aussi fait partie même de notre diplomatie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous êtes un homme, un dirigeant d'un pays là, imaginez-vous que votre palais soit comme un poulailler. Qui va vous respecter? Monsieur Prao nous dit qu'on a déjà des avions. Ces avions-là datent de quand? Ces avions sont dans quelles conditions? Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire, le président se mette dans ses avions dépassés et il voyage à travers le monde. Il n'y a pas d'accident. Mais les gens vont regarder pour dire, c'est vrai, il voyage, mais il voyage quand même dans un tombeau roulant, hein, parce que ça date pas moins de 50 ans, cet avion-là. Voyez-vous, le prestige d'un pays-là, la dignité d'un pays-là, ça vient aussi des instruments qu'on présente aux autres. Regardez le palais-là. Pourquoi vous n'avez pas critiqué le nouveau palais aussi qui a été construit? Sinon, il y avait des maisons, on travaillait dedans. Mais pourquoi vous n'avez pas critiqué? Il n'y a aucune différence entre le nouveau palais qui a été construit et l'avion qui a été acheté. Parce que le monde évolue. Et quand le monde évolue, là, il faut s'adapter. Dans tous les pays qui se respectent et ceux qui connaissent les codes de la gestion de ce monde-là savent que l'influence, l'impression est très importante dans la négociation et dans l'image que tu donnes à ton pays ou bien à tes dirigeants. C'est pourquoi vous verrez que c'est un fait qui est habituel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même depuis l'époque du roi Salomon, là, c'est des réalités que les vrais, ceux qui gèrent le pouvoir, connaissent. Remarquez par exemple, quand l'un des soldats du roi Salomon, qui était un haut gradé de son armée, va enquêter, espionner et découvrir le royaume de la reine de Saba qui s'appelait Makeda. Il fait le retour. Et dans le Coran, les gens l'appellent Oud pour dire que c'est un oiseau. Non, mais c'était en fait un code. C'était un nom de code, sinon ce n'était pas un oiseau. Il fait un rapport détaillé sur tous les points descriptifs du royaume. Il dit, ah, en tout cas, c'est une reine. Elle a un pouvoir et vraiment son royaume est exceptionnel. Il décrit l'empire de la reine Makeda, la reine de Saba, à tel enseigne que Salomon lui dit, il faut que cette reine-là, elle vienne pour que je la voie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose entre son royaume et le mien. Il a tellement bien fait son travail qu'il a même été capable de décrire le trône royal tout autour de la dame. Et donc, le roi Salomon dit donc à certains de ses diplomates, allez lui faire une demande de visite dans mon empire pour que je puisse voir réellement qui elle est. Je suis en train de vous parler des rapports d'influence parmi entre les dirigeants. Quand tu n'es pas, toi, tu es un président, tu as bien, en ça fait rien là. Les autres te dominent en même temps. Mais même si tu n'as rien là, mais quand on voit que tu es vraiment bling bling là, les autres se disent, ah, il a les moyens de sa politique, donc on peut le prendre au sérieux. C'est important. Dans la vie simple là, si tu veux, faut t'habiller en kojo et puis faut sortir dans la rue. Tu vas voir comment les gens vont te traiter si tu as problème. Mais faut te mettre en complet veste. C'est un exemple, je prends, mais tu t'habilles bien. Et puis tu sors. Et puis tu demandes le même problème là, tu demandes qu'on t'aide. Tu vas voir la réaction des gens. Donc là, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit au moins met de la respectabilité. Et c'est comme ça, Salomon va dire, après tous les renseignements qu'il a reçus, il va inviter ses grands spécialistes dans tous les domaines. Il dit, fabriquez-moi exactement le trône de la dame, de la reine de Makeda. Et fabriquez-moi exactement un palais comme pour elle. Avec la seule différence qu'il a mis, il a fait une piscine et il a mis des carreaux dessus, mais qui sont transparents. C'était la seule différence. Mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour dire à la reine de Makeda que moi j'ai un royaume, mais ton royaume est dans le mien. C'est pourquoi j'ai dupliqué ton propre royaume pour te montrer avec une différence en plus que tu n'as pas chez toi. Et donc, ce que je vais te dire là, monsieur Prao, les grands dirigeants de ce monde-là s'influencent entre eux. Va chez Vladimir Poutine. Quand tu vas ouvrir son bureau, les deux gros chiens qui vont t'accueillir là, il faut demander à Angela Merkel. Elle va te dire. Tout ça, c'est pour influencer et déstabiliser. Donc, le monde là, quand tu ne connais pas quelque chose là, tu es professeur d'université, peut-être tu connais ton domaine, mais tu ne connais pas la gestion du pouvoir. Il fallait d'abord demander, on allait t'expliquer. Là, si on t'explique, tu as compris, tu peux maintenant cogiter
sur d'autres aspects. Et donc, tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, ou bien même que par mauvaise foi, tu n'as pas envie de dire la vérité, et donc tu veux distraire les gens pour dire que cet avion, on ne devrait pas le payer. Cet avion, on devrait le payer parce qu'il était temps de mettre quelque chose de neuf dans la flotte que nous avons en ce moment, après plus de 30 ans d'usage. Ne demandez pas aux dirigeants de voyager dans des saucisses volantes pour se faire exploser en plein air ou bien durant un atterrissage. Deuxième question, cet avion a coûté combien? Cet avion a coûté 57 milliards de francs CFA. Je vous dis ici, je vous ai donné la marque de l'avion. Tout le monde a entendu ce qu'on a dit ici. Cet avion-là, c'est un avion à grand caractère, 320 Neo ACJ. Tapez sur Google, combien coûte un Airbus A320 Neo ACJ? Quand vous allez taper là, le prix qui va sortir là, venez le comparer avec le prix qu'on est en train de dire, c'est 115 millions de dollars, ce qui fait 55 milliards de francs CFA. En tout cas, quand moi j'ai tapé, c'est le même prix qui est sorti. C'est le même prix qui est sorti. Or, un avion, c'est pas un vélo. Pour dire, quand tu as fini de payer là, tu enlèves les plastiques là et puis tu t'assois dessus. Un avion, quand tu le payes là, il y a certaines commodités qu'il faut ajouter dessus. Mais c'est le même prix qui me ressort. Et donc, je suppose que le président ivoirien, contrairement à ce que M. Prao veut faire croire, il n'a même pas mis quelque chose de luxueux là-dedans. Il a payé simplement l'avion pour ses besoins. Et ce que M. Prao ne sait pas, le confort qui est dedans là, c'est le confort le minimum qui est offert avec l'avion. Sinon, là, ça, le prix devait être plus que les 57 milliards. Et dans cet avion-là, ce que M. Prao ne sait pas, c'est que l'avion du président, c'est en même temps son bureau. Il y a des négociations qu'ils vont faire là. Au fur et à mesure que vous êtes en l'air là, les données de renseignement peuvent changer. Et donc, selon les renseignements qu'on vous donne là, le président doit avoir toujours accès à un bureau. Qu'il soit en l'air ou bien en bas, il doit toujours avoir accès à un bureau qui est là pour toujours réfléchir, pour toujours être au contact des réalités, pour l'informer en temps réel. Donc, un avion présidentiel, ce n'est pas fait pour le confort du président Ouattara. C'est pourquoi vous allez voir que le jour que le président Ouattara ne sera plus président, là, il n'aura plus cet avion-là. Il ne va pas partir avec. Ce n'est pas pour lui. En réalité, M. Ouattara n'a fait qu'enrichir notre aéronef et renouveler cela. Au lieu de le féliciter, vous trouvez qu'il faut le blâmer. Je crois que c'est aussi de la mauvaise foi. Et monsieur, comme vous ne le savez pas, je vais vous donner aussi quelques exemples. Voyez-vous, ces avions-là, tu ne t'es pas posé aussi la question, est-ce qu'on n'a pas revendu certains des vieux avions qu'on avait pour essayer de compenser le prix? Je crois que tu connais mal M. Ouattara. M. Ouattara prend 57 milliards pour jeter dans le vent. Et il ne sait pas que ces vieux avions-là, on peut les revendre à des compagnies. Donc, il faut bien te renseigner. On n'a pas 10 avions. Il faut bien te renseigner pour savoir est-ce que d'autres avions-là, les vieux avions qu'on avait là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qu'on a vendus? Et puis, est-ce que tu as entendu que les 57 milliards n'ont fait lever de fonds? Est-ce que toi-même, tu as eu le courage de dire que l'avion, on a payé ça à crédit? M. Ouattara est un créateur de richesses. Il sait très bien que pour acquérir un aéronef qui coûte 57 milliards, alors qu'on a 10 avions qui sont déjà vieux là, même un villageois même sait que je peux vendre au moins 2 ou 3 vieux avions pour obtenir un avion plus efficace et plus performant. Ça s'appelle un gain. Parce que mieux vaut avoir un appareil efficace, moderne, que d'avoir 10 appareils inutiles, vieux, qui ne peuvent plus servir. Et donc, même avec une simple logique du CM2, on comprend qu'on peut vendre ces 3 ou 4 à quelques sociétés et puis maintenant payer un aéronef qui reflète notre prestige et qui reflète aussi les réalités de l'époque moderne. Et donc, si c'était M. Ouattara seul qui payait les avions, on allait dire, bon, c'est de la mégalomanie. Mais je vais te dire ceci. En 2022, là, Emmanuel Macron utilise un Airbus A330. Va faire la différence entre Airbus Neo que je viens de A320 Neo que je viens de te dire là. Qu'il faut comparer ça avec un Airbus A330. Emmanuel Macron là, c'est lui-même son argent qui a payé ça. Ou mais c'est sa mégalomanie fait. Un président paye toujours ses avions avec l'argent de son pays. Mais ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même qui a payé cet avion. C'est en 2009 que Sarkozy a payé cet avion-là.
au nom de l'État français. C'est la même chose qu'Alassane Ouattara a fait. C'est que Bédié et Gbagbo n'ont pas été capables de faire. Ça, il faut aller vérifier et puis il faut venir nous dire. Si tu aurais préféré qu'on soit avec les avions du 10e siècle, il faut venir prendre le Boeing Air Force One américain. Et s'il te plaît, il s'agit d'un Boeing 747-200B. Mais les Américains, comme vous les connaissez, ils ont fini avec luxe dans l'avion là. Mais non seulement avion là, luxe, ils ont fini avec ça là. Mais cet avion là vole toujours 2-2. Ça veut dire qu'il y a toujours un deuxième qui est là. Cet avion là, si tu n'as jamais vu là, tu vois pas la queue là, c'est le drapeau américain qui est dessus. Donc toi, tu aurais voulu que la Côte d'Ivoire puisse utiliser des hélicoptères. Je prends l'exemple de votre ami Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, tu as vu son avion? Son avion là, on appelle ça l'Ilyushin 2, 96-30. C'est dans ça lui voyage. Et quand il se déplace avec sa flotte là, dans l'avion de Vladimir Poutine là, tout est fait en or, en marbre et en tapisserie au mur. Il faut aller prendre l'avion que Ouattara a payé là et puis il faut comparer avec les avions des autres. C'est là que tu vas savoir que quand même, même si on dit que tu ne te respectes pas là, il ne faut pas toi-même envoyer la honte sur toi. Parlons des Chinois. Xi Jinping utilise un avion de Air China, mais va voir les caractéristiques de l'avion. Il faut aller regarder le Boeing 747-400 qui est utilisé par les Japonais. Eux-mêmes là, c'est plus puissant que pour les Français. Et ça, c'est pas un pays. Hein. Quand eux se déplacent, c'est deux Boeing 747-400 qui se déplacent ensemble. Et il y a un qui est là spécialement destiné au personnage de secours et au personnage de maintenance du vol. Ça s'appelle le prestige. C'est très important parce que ça force les autres à vous respecter et ça vous permet de les influencer. Même le Mali que vous ne voulez pas respecter là, le Mali sous l'époque d'Ibeka là, ils ont eu à acquérir un Boeing 737 à 46 millions de dollars. Le Mali même qui s'en sort pas là. Alors qu'ils étaient sous tutelle du FMI là, ils ont acquis un avion à 46 millions de dollars sous l'époque d'Ibeka. Donc de quoi est-ce que vous nous parlez? Si ça ne te suffit pas encore là, je peux te parler encore du Boeing 737 ultra luxueux de ton ami Erdogan. Et ainsi de suite, on aurait pu continuer pour vous dire ça. En réalité, quand vous êtes envoyé là, sachez vous envoyer. Votre haine là, ça ne peut pas transformer le monde. Et votre haine là, ça ne va pas empêcher le président Ouattara d'être un président moderne, d'être un président qui est anticipateur, d'être un président qui a de la suite dans les idées. C'est pas parce que ceux qui t'ont envoyé là, Bédié et puis Gbagbo étaient incapables de payer un avion que Ouattara va se condamner dans des poubelles ambulantes. Ouattara a très bien fait de payer ces avions là. Il les a payés sans prendre crédit parce que les crédits qui ont été pris, qui ont généré des bénéfices là, on a payé bénéfices, on a payé crédit des gens et puis maintenant, bénéfice qui est resté là, c'est ça qu'il a pris pour payer l'avion là. Il faut aller vérifier, tu viens nous dire que c'est faux. Maintenant, l'avion qui a été payé là, le jour que Ouattara ne sera plus là, il ne va pas partir avec l'avion là. Donc, ce n'est pas un avion de Ouattara. Le jour que tu dis que c'est luxueux, non? C'est parce que toi, tu n'as rien. C'est parce que toi, sinon, si tu étais à la place de Ouattara, ou même si on t'invite dans l'avion là, comme c'est luxueux là, il ne faut pas rentrer dedans. Là, comme ça, on va savoir que tu n'aimes pas le luxe. En réalité, voyez-vous, quand quelqu'un s'abonne à la misère, la personne ne veut même pas voir les autres prospérer. Et donc, la personne se met à détester tout ce qui est bien parce qu'elle sait qu'elle n'aura jamais. Et donc, le nouveau président qui va venir après Ouattara, là, comme c'est luxueux, là, dites-lui de ne pas utiliser. Dites-lui de ne pas utiliser. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Donc, soyons un peu sérieux dans nos réflexions et surtout qu'on prend le titre d'universitaire. Vos titres d'universitaire, ça n'impressionne personne, monsieur. Nous sommes prêts à aller sur tous les sujets avec vous. Le diplôme, là, c'est pas ça qui fait un homme.
Un homme, c'est sa cohérence dans son discours. Un homme, c'est celui qui a un fond et qui a une logique dans son discours et qui a de l'objectivité dans sa pratique qui fait un homme. Et non le diplôme, je suis universitaire. Il y a combien d'universitaires parmi vous qui ne savent même pas accorder un mot français qui se termine en AL? Et donc, s'il vous plaît, ça ne nous impressionne pas. Et on a vu l'époque des universitaires en Côte d'Ivoire, ça nous a produit que la gadoue, que le désespoir, qu'on appelait les LMP. Et donc, soyez sérieux. On passe donc au dernier sujet, comme pour vous dire, tellement Ouattara a fait rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire, venez aussi critiquer ce que je vais vous dire là. Le satellite qu'on vient de lancer là, qui a été fabriqué à Yamoussoukro là. Je n'ai pas dit hier, n'est pas d'avant. Cette année, on a fini de fabriquer, on a déjà lancé là. Ça là, c'est parce qu'on n'a pas pris crédit pour faire ça aussi. Et tout a été fait en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un vrai président. On critique Ouattara, il a fait des routes. On critique Ouattara, il a fait école. On critique Ouattara, il a fait université. On critique Ouattara, il a donné filets sociaux. On critique Ouattara, il a payé avion. On critique Ouattara, il a lancé satellite. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est ceux qui ne font rien là, c'est eux qui sont bien. Donc, ça prouve que vous-même, vous êtes des forces d'anti-progrès, d'anti-développement. Vous êtes des microbes intellectuels. J'assume mes mots. Vous êtes des microbes intellectuels. Un intellectuel sérieux, ça ne peut pas produire ce que vous avez dit. Monsieur Prao, soyez un peu plus sérieux que ça. Et je vous mets au défi, si vous entendez mes propos, je suis prêt à avoir un débat avec vous. On va voir si véritablement vous êtes un professeur d'université, comme vous le dites. On va vous démontrer ce jour-là que ce n'est pas le diplôme qui fait la tête d'un homme. Parce que nous autres, on n'est pas des savants comme vous, mais on connaît au moins la réalité de ce monde-là. Et ça, on s'adapte aussi avec cette réalité-là. Ce qui fait que nous sommes dans notre monde et on sait où on va. Contrairement à vous qui êtes bloqués, congelés dans le temps. Mais c'est la haine et votre incapacité à vous assumer en tant qu'un intellectuel libre et indépendant qui vous conduit à de tels raisonnements de caniveau. Et donc, la Côte d'Ivoire lance son premier satellite d'observation de la Terre fabriqué localement. La Côte d'Ivoire a annoncé son intention de lancer son premier satellite dans les 2 prochaines années. Une équipe de scientifiques spécialisée en astrophysique et en géologie explique à The Conservation Africa les avantages potentiels de cette avancée et comment le pays envisage concrétiser ses ambitions dans le secteur spatial. Quel type de satellite la Côte d'Ivoire prévoit-elle de lancer? YAMSAT CI01 sera un nanosatellite pour l'observation de la Terre. Un nanosatellite est un petit satellite pesant entre 1 kg et 10 kg. Il sera équipé d'une caméra capable de fournir des images de la côte, des forêts, des parcs naturels et des zones urbaines du pays. La construction du satellite est entièrement ivoirienne. Elle a été confiée à Universal Constructor Associated, une entreprise privée ivoirienne promouvant le développement scientifique et technologique en partenariat avec l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il s'agit de la première étape vers des satellites et des capteurs plus sophistiqués qui ont de nombreuses applications. Ils peuvent par exemple détecter, surveiller et cartographier les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, l'immigration clandestine, la déforestation, les activités illégales d'exploitation aurifère, l'humidité des sols et les réservoirs d'eau. Il peut contribuer à minimiser les conséquences des inondations et des sécheresses. En Côte d'Ivoire, un tel satellite pourrait appuyer les efforts du gouvernement visant à réglementer l'exploitation minière artisanale et à lutter contre les activités illégales et la dégradation de l'environnement. Ces applications reposent sur des algorithmes sophistiqués de traitement d'images, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quels sont les autres avantages et les retombées potentielles? L'observation de la Terre fournit des données pour l'agriculture, la gestion des catastrophes et la planification urbaine. Le satellite prend en charge diverses applications, notamment la surveillance de la santé
de la végétation, de la cartographie des ressources en eau et l'analyse des modèles de croissance urbaine. Outre les avantages directs de la technologie, elle contribue au développement scientifique et économique de la nation. Le projet de construction et de lancement d'un satellite s'accompagne généralement d'un renforcement de ses capacités dans de nombreux secteurs liés à l'industrie spatiale. Il implique des ingénieurs et des scientifiques pour développer des capteurs et des segments terrestres permettant de suivre le satellite et de communiquer avec lui. D'autres avantages importants de ce projet incluent une utilisation plus large de la technologie spatiale. Le lancement d'un satellite peut conduire à une utilisation accrue des données et des produits d'observation de la Terre fournis par les nombreux satellites en orbite autour de la planète. Qui sera impliqué dans ce projet? Les secteurs académiques et privés ont tous un rôle à jouer dans cette aventure scientifique, technique et politique. Par exemple, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a déjà prévu de mettre en place un nouveau cursus dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique. Une nouvelle génération de jeunes ingénieurs en bénéficiera directement. Par ailleurs, une association ivoirienne d'astronomie a été lancée. Ces activités de sensibilisation visant à promouvoir l'astronomie et les sciences spatiales auprès du grand public permettront d'accroître la culture scientifique de la population. Elle pourra inspirer la jeune génération à suivre les carrières scientifiques. Enfin, l'Université Félix Houphouët-Boigny dispose d'un laboratoire spécialisé en matière d'observation de la Terre depuis l'espace, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection. Ces étudiants peuvent également contribuer à la conception, à la stratégie liée à la mission et aux applications des satellites ivoiriens. Que font les autres pays africains en matière de technologie spatiale? Le rapport sur l'industrie spatiale en 2022 de la société de conseil Space in Africa indique que la valeur de l'industrie en Afrique devrait atteindre 22,64 milliards de dollars en 2026, contre 19,49 milliards de dollars en 2021. Le rapport indique que les nations africaines ont alloué 534,9 millions de dollars aux programmes spatiaux en 2022 contre 523,2 millions de dollars en 2021. Ces investissements indiquent que l'Afrique se prépare à une utilisation plus large de la technologie spatiale pour faire face aux divers défis auxquels elle fait face. Par exemple, le 23 avril 2023, le Kenya a lancé son premier satellite appelé Taifa 1 avec l'aide de SpaceX. Le satellite a été équipé d'une caméra optique et devrait fournir des données de surveillance agricole et environnementale pour le Kenya. En 2021, la Tunisie a lancé son premier satellite 100% tunisien. Le Zimbabwe, l'Ouganda, l'Égypte et l'Angola ont également lancé des satellites au cours des 12 derniers mois. En avril 2023, le président Macky Sall a annoncé le lancement de l'Agence sénégalaise des études. L'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les pays africains les plus avancés sur les questions spatiales. Par exemple, ZeeCube, lancé en décembre 2018, est un nanosatellite développé par l'Agence spatiale nationale sud-africaine en collaboration avec les universités locales. Il se concentre sur la sécurité du trafic maritime dans les eaux côtières sud-africaines. L'Agence nationale de recherche et de développement spatiaux du Nigeria a été créée en 1999. Elle a lancé 5 satellites depuis 2003. En décembre 2022, le Nigeria et le Rwanda sont devenus les premiers pays africains à signer des accords Artemis, un cadre dirigé par la NASA qui définit les meilleures pratiques en matière d'exploration spatiale durable. Il est clair que de plus en plus de pays africains investissent dans les technologies spatiales. La première étape consiste à sensibiliser la population sur les questions spatiales et aux avantages de l'investissement dans les technologies spatiales. Nous devons commencer à créer des cours de formation liés à l'espace et à promouvoir les sciences spatiales dans les pays africains. C'est une information tirée de télédakar.net. Et donc, on va aller plus vite, puisqu'on est pris par le temps. Et vous aurez vu M. Diallo, qui était en Côte d'Ivoire, un homme qui est à la NASA. Donc, ne soyez pas surpris. Rien n'est gratuit dans ce monde-là, sauf ceux qui ne savent pas faire les liens entre les événements. La Côte d'Ivoire est prête et elle lancera son satellite. Elle va se mettre au même niveau, voire même dépasser ceux qui sont déjà en avance sur nous, en tant que pays africain. C'est de cela qu'il est question. Autant qu'on paiera des avions, autant qu'on construira des routes, autant qu'on fera tout ce qui est bon pour le peuple. Les oiseaux de mauvais augure peuvent parler. C'est très important parce que ça va même au niveau de notre communication.
ça va faciliter beaucoup, beaucoup de choses. Et comme on a dit, les avantages sont extrêmement énormes. La prochaine guerre se passera, ça ne se passera pas sur la Terre, ça se passera dans l'espace. La prochaine guerre sera une guerre d'espace. Ça, il faudrait que les uns et les autres le comprennent. Et donc, celui qui va maîtriser l'espace va maîtriser la Terre. Et donc, on est obligé d'être parmi ceux qui veulent au moins, à défaut de pouvoir participer à cette guerre spatiale-là, on est obligé au moins de maintenir notre espace sous notre propre contrôle. C'est vraiment très important. Et donc, nous allons directement passer à l'édito de Mère Nefertiti Nefertiti. Et après, on aura 1h20 pour permettre à ceux qui veulent poser des questions de le faire. Bonjour à tous. Bonjour l'éclaireur. Bonjour au Chao et au Mao. Aujourd'hui, mon test a pour titre Marions-nous. Si vous me permettez, je commence l'éclaireur. Le mariage est une institution fondée par les trois livres saints, à savoir la Torah, l'Évangile et le Coran. Dans tous ces livres, Dieu conseille à l'homme et à la femme de s'unir sous ses yeux. Il est vrai que l'idéal serait que tous les enfants soient nés dans un mariage. Loin de nous l'envie de jeter la pierre aux braves mères seules. Si nous prenons le mariage dans ce texte, c'est parce que nous sommes convaincus qu'un enfant né dans un mariage régulier est complètement différent d'un autre enfant qui est né hors mariage d'un père douteux. Quand nous nous référons à trois cas que nous connaissons tous, nous arrivons à cette conclusion que les deux hommes nés en mariage de paternité douteuse, bien qu'ayant été des grands chefs, ont terminé comme une symphonie inachevée. Et tous les deux ont été vomis par le peuple. Pour l'un, à la prison, pour l'autre, à l'exil. Aujourd'hui, ces deux malheureux se donnent tant de peine dans l'espoir d'un retour impossible à la tête des affaires. Cependant, le troisième homme que nous aimons, nous n'allons pas nous en cacher, semble tout réussir, donnant l'impression d'être le Messie, envoyé pour laver le pays de la souillure des incapables ignobles. Nous le jugeons, oui, et s'il portait seulement le péché de la chair, de leurs géniteurs qui ont osé outrepasser la règle divine. Allez voir tout bâclé, nous sommes presque certains qu'il s'agit d'une souillure originelle. C'est pourquoi nous, élèves de la classe d'éclaireur pour vérité, aimerions que les autorités compétentes soient regardantes sur ce que nous allons énumérer. 1. Le successeur de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit un enfant de père et de mère régulièrement mariés. 2. Qu'il n'ait jamais déjà été mêlé à un scandale ni sexuel ni financier. 3. Qu'il ait de vraies valeurs morales. 4. Qu'il soit travailleur et au service de son peuple. 5. Qu'il unisse le peuple autour de la paix. Pourquoi proposons-nous ces mesures? C'est pour la simple raison qu'un chef reste un modèle pour sa jeunesse. Et quand il plane la moindre ombre sur ses origines, cela devient amoral. Un enfant comprendra tout, sauf que sa grand-mère a fauté. Une des grand-mères ayant reconnu face à la nation son infidélité notoire sur la paternité de son fils. Imaginez-vous le désarroi, l'incompréhension de ses petits-enfants devant un tel aveu déshonorant. Nous autres ne sommes peut-être pas des Ivoiriens de souche, comme certains voulaient le faire croire, mais nous sommes rarement confrontés à ces cas d'enfants sans père. Regardez vous-même.
Un enfant sans père est un enfant sans repère. Un père manquant, un enfant manqué. Car pas de modèle, pas d'identification, souvent élevé par des pères de substitution, sans aucun bénéfice d'éducation sincère. Rares sont ceux qui s'en sortent sans souci majeur, sûrement animés par l'amour de leur brave mère. Chère mère, chère sœur, chère fille, il est souhaitable d'avoir nos enfants dans un foyer stable, dans un mariage béni de Dieu. Car l'unité de base est la famille avec des repères et des vertus transcendantales. Merci. Un texte coécrit avec Madame Blanc. Merci à tous et bonne émission à tout le monde. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti Nefertiti. Merci pour ce beau texte qui évoque un thème fondamental mais important, le mariage. Le mariage est important et vous avez donné plusieurs détails en partant du facteur judéo-chrétien, islamo-islamique et autres, islamo-judéo-chrétien si on veut, pour aboutir aux avantages sociaux. Il faut savoir que dans toute culture humaine, le mariage est la consécration même d'une vie qui se veut stable. Voyez-vous, le mariage permet d'être un facteur stabilisateur même de la société. Quand par exemple, éclaireur s'en va marier une femme bêtée. Est-ce que demain, éclaireur peut combattre les bêtés? Donc vous voyez qu'à travers l'union de deux personnes, c'est toute une communauté, voire tout au moins des familles qui se mettent par alliance. Et ces familles ne peuvent pas se combattre parce qu'on ne peut jamais prévoir les incidents malheureux. Mais même si incidents malheureux, il y en a, je le dis bien, les connecteurs logiques, c'est les enfants ici que j'appelle les connecteurs logiques, sont les points qui vont faire que le conflit va être dilué. Et c'est très important. Mais on se marie aussi pour ne pas être comme des animaux. Parce que les animaux, là, eux, ne se marient pas. Les animaux ne se marient pas. Tout le monde sait ça. Mais toi, ton papa et puis ta maman sont ensemble depuis 1000 ans. Quelle est la différence entre eux et puis une vache et puis l'autre, un bœuf? Il n'y a pas grande différence. Le mariage permet aussi, quand il est bien réalisé, de créer et de renforcer les liens de stabilité au sein du couple, ce qui réagit aussi sur les enfants. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui dit, moi, j'étais petit, oh, je n'ai pas connu mon papa, oh, je vendais chewing-gum, oh, j'étais dans voiture de l'ordre, oh, je voulais checker pour manger, oh, ah, c'était pas facile, oh, depuis là, c'est moi-même, c'est la rue qui m'a élevé, oh, tu es un microbe. Vieux, tu es un microbe. C'est pourquoi tu es devenu un microbe en politique. C'est pourquoi tu vas en prison tous les 10 ans. C'est parce que ton vrai papa n'a pas accepté d'être le facteur stabilisant. Par contre, Alassane Ouattara, on n'a jamais entendu qui s'est promené, il a dormi dans le marché, sur les tables, qu'il a fait ceci. Tout ce qu'on a entendu, sa maman s'est mariée avec son papa, il a été bien élevé. Que ce soit du côté de la mère ou du père, chacun a bien joué son rôle. Chacun a bien joué son rôle. C'est pourquoi l'enfant sait où il va. À un certain moment, il était obligé d'aller avec son père. Mais regardez les liens qui sont restés. Parce que le père lui a toujours dit, hey, tu n'as pas deux mamans. C'est voilà ta maman qui est là-bas. Il ne faut pas l'oublier. La maman aussi dit, il ne faut pas oublier ton père aussi. Hein. C'est mon bon mogor. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'enfant est stable. Partout il passe, il laisse des résultats. Et c'est une très grande différence dans nos cultures africaines. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Dans nos cultures africaines, pour découvrir que quelqu'un, c'est un bâtard, là. Je dis bien en grand caractère, là. Un bâtard ne construit jamais rien. Un bâtard, un enfant bâtard qui est né, qui a grandi dans les marchés, toi, ta grossesse, là, c'est entre les sacs de cacao, là. Cet enfant-là, même s'il devient président de la République, il ne laisse rien. C'est un exemple que je parle. Je ne vous ai pas dit. Toute ressemblance est une coïncidence. Parce que si je donne quelqu'un, on va dire, j'ai insulté les gens. Alors que moi-même, là, je n'aime pas insulter avant. Tout le monde connaît. Je n'aime pas insulter. Vous savez que nous qui sommes nés dans le mariage, là, nous, on ne sait pas insulter. Et vous allez remarquer que les enfants bâtards aiment beaucoup insulter. Parce qu'ils n'ont pas eu les valeurs cardinales qui puissent les canaliser.
analyser, à comprendre qu'un être humain normal, il y a un langage qu'il faut être capable d'utiliser. Et donc, en toute sincérité, dans nos sociétés africaines, auparavant, quand quelqu'un, avant de venir au pouvoir, là, on vérifiait ses origines. Quand c'est un bâton, on dit lui là, ah, même s'il est un bon dirigeant, à la fin, il va nous trahir. Ils sont comme ça. Ils ne commencent jamais quelque chose pour terminer. Et quand ils commencent quelque chose là, il va lui-même gâter. Maintenant, regardez les exemples en face de vous. Même il y a d'autres enfants là, eux on les a pris, hein. On les a élevés, on leur a donné tout. Mais eux aujourd'hui là, ils sont tombés cocoroco. Mais ils sont tous là. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le mariage est très important. Pour nous, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et rien d'autre, ni en moins, ni en plus. C'est de ce mariage-là qu'on parle. Et quand il est bien fait, les enfants, là, même si les parents sont pauvres, là, quand ils voient maman et puis papa, ils sont ensemble, là, dans leur tête, là, ça les structure à comprendre que la vie, là, il y a un cheminement. Mais toi, en train de voler, comment on appelle, les arachides dans les sacs des femmes de l'Ordougou. Et puis, ils sont impolis, ces enfants-là. Et quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Eux pensent que la vie, là, c'est quand tu es sauvage que tu es grand. Mais les enfants qui sont nés dans le mariage, là, eux, ils enlèvent ça dans le corps. Des enfants nés hors mariage. Ils connaissent. C'est là que tu vois maintenant les enfants hors mariage. Là, c'est eux qui viennent. Non, je vais laver mon nom. Mais tu n'as pas de nom. Tu n'as pas de nom. Parce que si tu veux prendre ton vrai nom, là, si tu veux prendre ton vrai nom, là, ça sera soirée. Ton vrai nom que tu ne veux pas prendre, là. Si tu veux prendre, là, et puis tu enlèves l'autre, là, qui commence par K, là, ça sera S, ça sera soirée. C'est ça que tu ne veux pas prendre. Donc, ton nom, là, tu ne peux pas laver parce que tu n'as même pas nom. On peut tout accepter. Mais dire un enfant qui a plus de 78 ans richesse son père, c'est la chose la plus bizarre qu'on ait pu avoir dans, de toute notre existence. Mais toujours est-il que c'est le monde des hommes. Chers parents, chers tous, donnez au moins la chance à vos enfants d'être nés dans un environnement sain. C'est vraiment très utile et ça peut leur permettre d'être aussi des individus stables dans la société et non des poisons et des microbes dans tous les domaines où ils vont s'exercer. Merci beaucoup à Mère Blanc et à Mère Nefertiti Nefertiti. Nous avons fini avec la présentation. Et tous ceux et toutes celles qui veulent prendre la parole, comme on est en semaine, il nous reste 1h06 pour finir l'émission. On va vous demander de prendre la parole. Et ceux qui voudront bien la prendre, on va vous mettre en conférence les uns les autres pour pouvoir utiliser efficacement le temps. Donc, ceux qui veulent prendre la parole déjà, n'hésitez point. Faites-nous déjà cas de ce que vous voudriez la parole pour qu'on puisse progresser rapidement. Allô? Bonjour, cher frère Clara. Bonjour, Sundiata le Conquérant. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Dieu merci. Effectivement. Et de votre côté? Ça va par la grâce de Dieu. Je sens ça même dans la voix. Oui. Ah, Dieu merci, c'est une grâce. Donc, on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir sur le sujet d'actualité de l'achat de l'avion. Mmh. Et je vais aussi évoquer les questions d'assainissement. Alors, je m'attendais au fait que des individus préhistoriques allaient forcément trouver de quoi à redire sur l'achat de l'avion présidentiel que le président de la République vient d'acheter. Un A320. Alors, vous savez, moi-même, je suis des gens qui ont toujours eu pitié pour les présidents africains, rien que seulement à cause du très mauvais état des avions dans lesquels ils voyagent.
Regardez, laissons même le dossier ivoirien d'abord. Prenez tous les autres présidents africains que vous connaissez. Moi, je peux vous dire, aucun avion ne me convient. Tous les avions dans lesquels ils voyagent là, aucun ne me convient. Même l'avion présidentiel dans lequel le président Ouattara voyage, pour vous dire la vérité, l'avion là ne me convient pas. Je trouve que l'avion, il n'est pas à la hauteur, en fait, d'un président de la République. Un président de la République, c'est le premier citoyen d'un pays. Même à travers le président de la République, on peut juger le pays. Mais vous êtes président de la République. Regardez, en Centrafrique, même là-bas, on louait avion même pour voyager. Mais vous voyez ce que c'est que le pays? En fait, beaucoup de présidents africains voyagent dans des cercueils volants. La vérité qu'on ne veut pas dire aux gens là, c'est ça. Les gens voyagent dans des cercueils volants. Sommes-nous aussi misérables jusqu'à ce point pour ne pas pouvoir acheter des avions flambant neufs de dernière génération en technologie? Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, lorsqu'on me dit aujourd'hui que le président Ouattara va acheter un nouveau avion, bien il y a une commande qui a déjà été passée. Je pense que Donc, on a c'est déjà une bonne information. payé et moi-même j'ai vu l'avion et j'ai vu l'intérieur, plus ou moins. Merci. Moi-même, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de voyager tous les présidents que vous connaissez en Afrique ici, là. Peut-être à part le roi du Maroc, le président égyptien, le président de l'Afrique du Sud, à part et puis l'Éthiopie, à part eux, moi je vous dis, la plupart des avions dans lesquels ils voyagent là, ça laisse à désirer. Mais pourquoi les gens font ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Un président de la République qui achète un avion pour les voyages présidentiels, l'avion n'est pas la propriété du président de la République, l'avion est plutôt la propriété de l'État ivoirien. Et puis ce que l'universitaire dit, bon, voyez-vous, ce sont des universitaires comme ça qui font même qu'aujourd'hui, certains prennent la parole, ils se disent intellectuels, les gens ne les écoutent même plus. Vous ne pouvez pas réfléchir à l'ère de la préhistoire. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. En tant qu'universitaire, c'est une honte. L'avion là, s'il y a problème dessus en l'air, on cherche l'aéroport ou le plus court, hein. Sinon, à défaut, quand il s'explose là, tout le monde est parti. Le président de la République a acheté un nouveau avion, c'est une bonne chose. On parle de 100 millions de dollars, un peu plus de 50 milliards de francs CFA. Mais moi, personnellement, si vous demandez mon avis, je vais vous dire que cet avion-là, il est petit pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis clairement. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. La Côte d'Ivoire pouvait même, selon moi, si on dit l'A380, je vous donne le prix des avions. L'A330, il coûte 205 millions de dollars. Ça fait 123 milliards de francs CFA. Les avions tout neufs, hein, l'A359, il coûte 317,4 millions de dollars. Ça fait 190 milliards de francs CFA. L'A350 000, il coûte 366,5 millions de dollars, ça fait 219 milliards de francs CFA. L'A380, il coûte 456,6 millions de dollars, ça fait 267 milliards de francs CFA. Souhaita, pardonnez, le frère, mettez-vous sur muet, mettez-vous sur muet. Oui, mettez-vous sur muet. Appuyez le micro avec. Mettez-vous sur muet. Alors? Oui, cher frère, mettez-vous sur muet. Ce n'est pas le temps de la parole. Mettez-vous sur muet. Allô? Oui, allô? Allô? Cher frère. Allô? Oui. Bon, moi je n'entends pas en tout cas, je n'entends rien. Ok, donc coupez. Allô? Ok. Donc, Sunyata. Bon, coupe après, il va revenir.
Vous pouvez continuer. Il n'attend pas. Hein. Donc, coupez. Qu'il coupe. Il faut couper là. Il faut le couper. Comme ça, on va continuer. Après, vous allez le remettre. Allô? Oui, vous pouvez continuer le concurrent. Voilà. Donc, je disais. Ouais, ok, c'est bon maintenant. La 380, il coûte 445,6 milliards. Non, millions de dollars, ça fait 267 milliards de francs CFA. Or là, le président n'a fait qu'acheter un A320 qui coûte un peu plus de 50 milliards de francs CFA. De quoi on nous parle? Où se trouve le gaspillage? La Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe. Pour moi, si on me demandait de choisir, si on me demandait de choisir un avion présidentiel, la 380, il prend jusqu'à 500 personnes. Si c'est, on combine classe éco avec classe affaires, mais si c'est en classe éco, il peut prendre jusqu'à 800 personnes. Donc, il paraît un peu plus grand. Mais moi, si on me demandait, la Côte d'Ivoire mérite la 350-900. Qui coûte 190 milliards de francs. Voilà l'avion qui l'a fait. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel État. Et puis, quand ce dernier dit que non, la Côte d'Ivoire a 10 avions, certainement il fait allusion à Air Côte d'Ivoire. Les avions d'Air Côte d'Ivoire, ce sont des avions commerciaux. Voilà, c'est pour faire les vols. C'est pas toute la flotte présidentielle. Tout le monde sait les avions que nos dirigeants utilisent pour voyager sont vieux. Donc, il était plus que jamais grand temps. Quand on achète un avion de 50 milliards, la Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards de francs. Prêt, la Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards de francs, c'est pas prêt. Ça, c'est insignifiant. Notre budget, il est plus de 11 000 milliards de nos francs, CFA. Vous voyez? Le président Ouattara, lorsqu'il achète cet avion n'est pas sa propriété privée. Ça veut dire le jour où le président Ouattara n'est pas là, le président qui vient, il peut toujours exploiter cet avion. Cet avion appartient à l'État ivoirien. Où est le problème? Où se trouve le problème? On peut aussi être rétrograde jusqu'à ce point-là pour réfléchir comme ça et se dire qu'on est universitaire. On peut aussi avoir des mentalités précaires jusqu'à ce point-là. Il ne faut pas que les gens viennent nous emmerder. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas à 50 milliards francs CFA près. On ne peut pas nous dire qu'un Airbus A380 vaut mieux que la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que les gens viennent nous emmerder. Les vrais problèmes se trouvent ailleurs. Moi, je l'ai dit clairement. Si ça ne tenait qu'à moi, on prenait l'A350-900. À 317,4 millions de dollars, il fait 190 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 200 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire n'a pas payé. Cet argent-là, la Côte d'Ivoire a ça. Donc, nos dirigeants, ils doivent être dans des avions de luxe. Parce que cela, il va de la sécurité même et de la sûreté du vol. On ne peut pas se permettre de laisser les dirigeants voler dans des avions qui sont extrêmement vieux. Non. Ce temps-là, il est révolu. Il y a des avions même que moi, souvent, je vois encore dans la flotte présidentielle. Je ne sais pas comment les gens, ils ont le courage de monter dedans. Moi, personnellement, ces avions-là ont plus de 10 ans souvent. Vous avez vu, lorsque Victoro et puis Kandiala, ils ont emprunté un avion. Cet avion-là, c'est l'un des hélicos de la flotte présidentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé? Tous ces appareils qui sont vieux là, faut s'en défaire. On ne peut pas prendre le risque de mettre sa vie en danger. 50 milliards, là, la Côte d'Ivoire peut payer. Donc, il ne faut pas que des gens en manque d'arguments. Il ne faut pas que des gens qui ont encore des mentalités d'hommes de cueillette et de la chasse, de la préhistoire, viennent nous emmerder. Quand on ouvre la bouche là, pour parler, pour prendre la parole devant l'opinion publique, il faut être sûr qu'on dise quelque chose d'intéressant. Si vous n'êtes pas sûr de dire quelque chose de bon, ça ne sert à rien de venir emmerder les gens. D'ailleurs, en le faisant, c'est comme s'ils sont en train de piétiner la Côte d'Ivoire. Un Airbus A320 ne vaut pas mieux que la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est au Mali, j'ai vu les gens voulaient brûler le pays parce que Ibeka avait acheté un avion.
Non, faut pas rabaisser les pays jusqu'à ce point. Ces gens qui racontent ces choses-là, il faut qu'on leur dise la vérité. Ce qui est en train de se dire ici sur la plateforme-là, il faut que ça arrive dans leurs oreilles-là. On ne peut pas être là en train de souhaiter que les gens restent dans la précarité. Ou au temps du Moyen Âge. Non, ce n'est pas possible. Les temps ont évolué aujourd'hui. Il faut faire avec. Un président de la République, il est respecté à travers son habillement, à travers ses voitures de commandement, à travers son avion présidentiel, à travers son palais présidentiel. Voilà. Parce qu'une fois qu'on vient te rendre visite, tout ça là, on regarde. Tout ça, on regarde. Le palais présidentiel, l'avion présidentiel, la voiture présidentielle. Tout ça, c'est regardé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas n'importe quel pays, je l'ai dit. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'ils se moquent des gens. Moi, je leur conseille de fermer leur bouche maintenant. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas de tout qu'on parle. Avant de critiquer quelque chose, il faut savoir où on va. Pour seulement 50 milliards, vous êtes en train d'emmerder les gens. Pourtant, l'avion, là, c'est la propriété de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'avion du président de la République à lui. C'est parce qu'il est en fonction qu'il l'utilise, c'est tout. Mais c'est une propriété de la Côte d'Ivoire. Donc l'avion va servir l'État ivoirien jusqu'à ce qu'il soit hors d'usage. Faut pas que des gens viennent se ridiculiser jusqu'à ce point. On ne peut pas être rétrograde jusqu'à ce point. À un moment donné, il faut arrêter. On ne critique pas pour critiquer. Quand vous prenez la parole devant le public, si vous savez que ce que vous allez dire, ça ne vaut absolument rien, parfois il est nettement mieux de boucler. Il est nettement mieux de fermer la gueule, comme on le dit souvent. C'est nettement mieux. Faut pas emmerder les gens. Ça veut dire quoi ça? Un avion seulement A320, là, vous emmerdez les gens? Ou bien eux, là, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu que dans d'autres pays, les gens achètent des gros porteurs. Il y a des compagnies aériennes qui ont elles seules, 50 A380. L'avion est 267 milliards. Si vous prenez les Qatar Airways, là, les Emirates, ils ont ces avions, ces gros porteurs. Les Lufthansa et autres, là, ils ont ces gros porteurs. Donc, ce sont ces compagnies aériennes-là qui valent mieux que les États. Il faut arrêter à un moment donné. Il ne faut pas se laisser. En fait, ces gens sont venus même pour piétiner même le pays en réalité. Le fait même de venir s'expliquer bêtement comme ça, même, c'est une manière de piétiner la Côte d'Ivoire même sans le savoir. Moi-même, je souhaite que dans les années à venir, on commande un autre avion de haute technologie même dans la flotte présidentielle. Et l'A350, 900 me paraît être même de meilleur, 200 milliards. C'est mieux. Il faut arrêter à un moment donné. Ici, les gens se lèvent, ils racontent du tout, tout et du n'importe quoi, ils ne savent même pas où ils vont. S'ils disent cela, pourquoi ils vont pas vivre dans les cases? Qu'ils partent vivre dans les cases, on va voir. C'est une manière de dire que non, vous voyez, ils sont en train de gaspiller votre argent, vous ne gagnez pas à manger, vous souffrez, on dépense l'argent. C'est à ça qu'on veut en venir, du n'importe quoi. Donc, éclairage, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Si c'est un panel, quelqu'un d'autre va intervenir, comme ça après je vais aborder le deuxième sujet. Ok, on voulait essayer de prendre le frère. Peut-être qu'il avait d'autres choses à dire. Donc, je vais vous couper et puis maintenant le faire Oui. parler et après vous rappeler et puis ajouter le panel et on pourra aller. Ça marche. Ok. Mais je tenais à dire aussi qu'il a parlé des 3,5 milliards que la Côte d'Ivoire aurait pris parce que tout va mal en Côte d'Ivoire. J'invite le professeur Prao à aller sur le site du FMI. Je viens de poster le lien. Et quand vous allez lire, vous allez savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a fait le prêt. La Côte d'Ivoire a fait le prêt dans un contexte de difficulté. Les autorités ont demandé l'aide du fonds dans le cadre des accords mixtes MEDEF-FEDEC pour leur programme économique. Ce programme vise à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à ancrer le plan national de développement 2025-2021-2025
dans les priorités structurelles clés afin de promouvoir une croissance plus inclusive menée par le secteur privé et faciliter la transition de la Côte d'Ivoire vers un pays à revenus intermédiaires. Et je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le français. Est-ce que ce qu'ils ont expliqué là, est-ce que ce n'est pas, on ne comprend pas? On dit les autorités ivoiriennes là, malgré qu'il y a une, si vous lisez tout l'article parce que je n'ai pas tout lu, malgré qu'il y a un contexte économique difficile, on a parlé du corona, on a parlé de la situation économique mondiale qui est en pleine régression, en inflation, et on a parlé aussi de la guerre en Ukraine. Tout le monde vit aujourd'hui ces facteurs-là. Si l'État ivoirien a pris ces problèmes, vous voyez, c'est pour préserver la viabilité des finances publiques. Ça veut dire quoi? La stabilité économique qu'on a déjà là, on veut maintenir cela. Mais au-delà de ce maintien-là, on a pris cet argent-là pour pouvoir booster, pour continuer le travail des réalisations qu'on est en train de faire à travers le PND, le Plan National de Développement, entre 2021 et 2025. On n'est pas encore en 2025, mais déjà le gouvernement est en train de travailler pour des objectifs 2025. Et tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour assurer d'abord la santé économique que la Côte d'Ivoire a et aussi maintenir le pays de sorte qu'on devienne un pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire quoi? Les gens vont connaître une augmentation de leur niveau de vie. Voilà pourquoi les 3,5 milliards ont été pris, monsieur le soi-disant professeur. Allez d'abord réviser vos annales avant de revenir. Et donc, Signata, je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à dire sur ça, et puis on allait vous couper et appeler le monsieur et après vous rappeler. Ce sujet, moi j'ai toujours dit, cette affaire de dette-là, c'est un faux problème. Tout le monde sait, le Japon, le taux d'endettement du Japon, il est à plus de 150%. Mais le Japon, c'est la troisième puissance économique mondiale. Les États-Unis, en termes de taux d'endettement, la Chine ou bien les Japon sont plus endettés. Ce sont les plus endettés. Le Japon même que vous voyez. Mais ici, le taux d'endettement n'avoisine même pas les 60%. Mais toujours, ce sont les mêmes théories qui reviennent, toujours ce sont les mêmes. Les gens cherchent vaille que vaille à discréditer, je ne sais pas, le président Ouattara en disant que non, qu'il prend trop crédit, mais malheureusement, ça ne prend toujours pas, comme on le dit. Mais ils n'arrêtent pas. À un moment, il faut arrêter d'être ridicule. Arrêter d'être ridicule. Le Ghana, qui est leur pays de référence, est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne parlent pas du Ghana? Donc, ils peuvent continuer à chanter, mais la réalité est connue. Hein. Il y a un excellent travail qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, s'ils veulent, ils peuvent continuer à chanter, mais moi, je ne suis pas sûr que le fait de dire que la Côte d'Ivoire est endettée, ça va amener quelqu'un à se révolter dans ce pays, parce que tout le monde a pris conscience. C'est ce que je peux ajouter. Ok. Roland, merci beaucoup. Donc, je vais vous déconnecter momentanément et on va revenir à vous. Et donc, il y a un de nos frères, Chikbi, qui dit « Merci, Sundiata. La classe éclaireur pro-vérité est écoutée à travers un haut-parleur sur une plage de la Vendée. » Je crois que la Vendée, c'est en France. Et donc, vraiment, merci de nous faire savoir cela, chers frères. Donnons le message utile, le message qui peut sauver les gens, le message qui peut démontrer. Ne soyez pas impressionnés par ces soi-disant professeurs qu'on peut démonter à la seconde près. Voilà. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils se laissent utiliser. Et après, ils deviennent ridicules. Sinon, on ne peut pas les entendre. Donc, on attend qu'ils viennent pour nous donner la réplique. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher frère. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonjour, frère. Oui, comment allez-vous? Vous êtes avec un écouteur? Si vous avez un écouteur, on ne pourra pas vous entendre. Tu m'entends? Si vous êtes sur Bluetooth, on ne pourra pas vous entendre. Si vous êtes sur haut-parleur, on ne pourra pas vous entendre. Allô? Il faut que vous parliez normalement. Allô? Oui, allô? J'en ai mon Bluetooth, tout ça. Non, mais si c'est toujours connecté, ça ne passera pas. Il faut que vous déconnectez le Bluetooth. Allô? Oui, nous, on vous entend. Allô? Ok, je crois qu'on ne s'entendra pas. Peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Donc, on dit allô? Merci. On dit merci aux frères. On ne va pas vraiment à perdre du temps, c'est vraiment important pour nous. Déjà qu'on n'a pas assez de temps, on va donc repartir sur le panel. On aura fait quand même ce qu'on peut. Et donc, on va relancer le panel pour pouvoir continuer.
Allô? Oui, allô? Oui. Donc, le concurrent, j'ai fini par comprendre que le problème, c'est au niveau de l'interlocuteur et pas de notre côté. Donc, on ne pourra pas vraiment, on n'a pas assez de temps. On va progresser directement. Donc, je vais essayer d'ajouter deux dernières personnes et on va pouvoir continuer. J'essaie d'ajouter le D'accord. cyclone et, qui avait aussi voulu prendre la parole. Et donc, il me semble que le cyclone est là. Donc, on va donner directement d'abord la parole au cyclone rapidement et après lui, on va donner la parole à son commandant et on va revenir à vous. Donc, bonjour le cyclone. Bonjour, éclairé pour vérité. Oui, comment ça va? Alhamdoulilah, ça va très bien. Dieu Et chez merci. vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. La famille, tout le monde va bien? Grâce à Dieu, tout le monde va très bien. Et de votre côté? Alhamdoulilah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Donc, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao. Bonsoir à tous les Chao. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui est notre père à tous, qui fait tout pour la Côte d'Ivoire. La jalousie, là, ça ne va pas finir. Et nous, on sait ça, vous les grands radicaux. Mais on va vous rappeler. Et ça, ce qu'ils sont en train de faire, tout le monde est témoin. Moi, pour moi, c'est une opposition qui a déjà géré la Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont derrière eux, qu'on appelle universitaires. Il faut que tu nous écoutes très bien. Pour moi, vous êtes en train de demander compte aux autorités de Côte d'Ivoire, ce qui est déjà normal. Quand on demande compte à l'État doit être transparent. Avec le pouvoir d'Abidjan, nous, on sait qu'on est transparent. Le président fait pour les Ivoiriens, les infrastructures, et il est en train de donner tout. Personne ne peut dire le contraire. Et nous, on a accepté cela. Mes chers Ivoiriens, ces autorités de Côte d'Ivoire, même les opposants, venez nous écouter. Vous avez géré ce pays. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça n'impressionne pas les Ivoiriens. À l'heure actuelle, nous, les Ivoiriens éclairés, 95% des Ivoiriens là, président là, nous on est avec lui. Il y a des choses qu'on va vous dire. On va accepter des rencontres. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le président l'a toujours fait. C'est à son temps qu'on a vu les. Comment dirais-je? Un président vient faire l'état de louer, donner le bilan de l'année. C'est quand le président, on a vu. C'est quand le président. On n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Et quand il vient faire le bilan là, c'est en face de nous. Personne ne peut dire le contraire. C'est ça. Éclairé. Et les 10 ans, les 7 ans qu'ils ont fait, au lieu de se cacher derrière les universitaires pour essayer de demander compte, pour essayer de dénigrer l'État, qu'est-ce que vous avez géré ce pays-là? Quel était le bon point? Vous nous avez laissé quoi? C'est quoi vous avez promis pour les Ivoiriens? On n'en a rien à foutre avec vous. Vous n'allez pas nous perdre le temps. Ne nous envoyez pas si plus d'intérêt. C'est qu'il y a entre nous là. Nous, on dit non, on va se venger de vous. Parce que vous êtes des écrits, des malhonnêtes. Hey, vous êtes perdus dans vos vies. Hey, il n'y a pas opposé en Côte d'Ivoire. C'est que des sorciers, des jaloux et des méchants. Ils ne vont jamais changer. Et ils ne vont jamais aimer le président de la République. Ils ne vont jamais aimer la population ivoirienne. Ça, c'est clair. Là, il n'y a pas de débat. Quoi, Justin? Il y a un certain quoi, Justin. Son nom même déjà là. Quand on dit quoi, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de doutes. Donc lui-même là, il est doute. Ça veut dire quoi, Justin? Chers parents, ces petits bandits, ces petits malhonnêtes, quand ils étaient aux affaires, quand Gbagbo massacrait les Ivoiriens, chers parents, à Zikisso là, c'est maintenant les gars se rappellent qu'il y a une. Il y a un village qui s'appelle Zixo. Et vous, les parents de Zixo, tout ce que vous avez eu dans les 10 dernières années, c'est autant de qui vous avez eu. C'est autant de qui vos enfants et vos petits-enfants sont protégés partout en Côte d'Ivoire. C'est autant de qui, où vous, les parents de Zixo, vous dormez bien. Et je sais que je ne pourrais pas vous tromper. Parce que c'est là, en les voyant là, ce qu'ils savent là, c'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire, président de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, il n'a pas ce temps-là. Lui, il ne fait pas pour lui. Et le président dit, dites à vos cadres, tout ce que vous avez besoin là, montez les informations, tout ce qui n'est pas fait chez vous, chers parents qui sont, ne détruisez pas l'avenir de vos enfants. Ces bandits qui viennent vous parler, ils ont ôté la vie à beaucoup d'Ivoiriens. Et vous êtes témoins, nous sommes témoins. C'est la peine de vous, quoi. Mais venez demander compte. À un moment donné, nous les Ivoiriens, on va vous demander les comptes et vous êtes obligés de venir rendre compte. Toi, quoi, Justin,
on ne te voit pas. Quand tu parles là, à travers qui? Et ce que tu parles, nous on sait. Nous, on n'est pas ivoirien fermé. Hein. On vous a déjà dit, l'arrivée du président de la République, ça nous a déjà mal. Je dis, maintenant, on va réfléchir ensemble. Et politiquement, là, on vous attend sur ce terrain. C'est quoi vous avez pour les Ivoiriens? Ne nous embrouillez pas. Ces élections-là, cette élection-là, municipale et conseil général-là, ça va bien se passer. Parce que nous, on sera en face de vous. Parce qu'on se vous connaît. Et on vous a dit, sans langue de bois, ce que vous avez fait à nos parents, on va vous tripler en rouge, vous donner. Ça, là, soyez sûrs. Soyez sûrs. Et dites merci à Dieu. Dites merci au président de la République. Sinon, vous, éclairez ce que disent les frères de Babi. Moi, j'ai confiance. Les informations, là, ça monte. Ouais, chacun a son poste. Ils ont parlé de barra rouge, non. Et ils ne savent pas qu'il y a orange, blanc, vert même. Là, ça nous appartient, nous tous. Mais ça est là uniquement pour ceux qui veulent venir déranger les Ivoiriens. Là, on va les utiliser afin de barra rouge. Vous allez vous attendre à nous. Et on est partout. C'est barra que vous voyez. Mais on est partout en même temps. Et puis, on va vous dire où vos parents dorment là. Nous, on connaît. Et vous n'êtes pas fille de ce pays. Puisque vous ne voulez pas la paix, vous voulez détruire la vie des Ivoiriens et nos parents qui sont morts là. Vous allez prendre compte. On va vous attendre. Et réconciliation, nous, on n'a rien à foutre avec ça. Si la Côte d'Ivoire est tranquille, c'est parce qu'il y a un grand président qui s'appelle Monsieur le Président de la République, son excellent Monsieur Alassane Ouattara, quand il a parlé, nous les Ivoiriens, on a compris. Malgré la douleur à nous, quand on vous voit trimballer, mais les jours, ça va faire pitié là. C'est ce jour-là, on attend vos familles. Nous, on a dit, Zoro mort, population, Zoro mort, sympathisants, Zoro mort, les votants. Cette année, beaucoup de morts de politiciens, et ça, c'est l'un de vos cas, parce que vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas le pays là. Mais ça, là, c'est vous qui serez les derniers sacrifices pour diriger ce pays, pour arranger ce pays là. Ça, moi, je vais vous dire ça. Moi, je vais vous éclairer, je vais m'arrêter là, je donne la parole à quelqu'un d'autre, et je vais me suivre, je vous dis merci, et je dis. Que Dieu donne la guérison à tous les élèves qui sont malades, ou de près, ou de loin, à tous les Ivoiriens. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu fasse que nous puissions reprendre notre santé plus rapidement possible. Amen. Et je dis vraiment éclairé, bon, je ne vais pas dire non, mais ce qui est sûr, que Dieu donne la santé, que Dieu. Bon, si elle ne dit pas non aussi, bon, ça fait deux jours, je ne vois pas grand-mère. Bon, vraiment, on se dit bonjour. La santé, bon, ce n'est pas trop grand, mais la santé n'est pas au top. C'est pourquoi on ne le voit pas. Qui ça? Grand-mère, aidez donne la santé rapidement. Qui ça? Vraiment, ils sont obligés de dire, quand on est ensemble, vraiment, vous nous manquez beaucoup. Quel grand-mère? Oui, éclairé. Le grand-mère. Walter? Non. MK? Habib Medouz. Non, il est là, il se porte très bien. Ah, ok. Oh, mais c'est moi, j'ai vu. Bon, ce qui est sûr, tout qu'on fait, c'est bénédiction. Que Dieu nous donne la santé, c'est que c'est moi, j'ai mal compris. Le message, et je m'excuse, que Dieu nous donne la santé, tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne guérison, tous nos parents qui sont décédés par la faute de ces politiciens, pour rien, qui n'ont rien donné à les Ivoiriens, qui est devenu détruit la vie de nos parents, et ils veulent revenir dessus. Monsieur le Président, on vous dit merci. Vous êtes un grand chef, un président de la République. Vous êtes papa de tout le monde. Vous avez tous ces moyens pour vous défendre, pour faire tout ce que vous voulez, mais vous avez toujours refusé, parce que vous n'êtes pas méchant. Éclairé a dit, il faut être marié pour être organisé dans la vie et pour préserver la vie de ta population. Mais un célibataire qui divorce à la réponse devant nous tous, il va nous donner quoi? On s'en fout de lui. On s'en fout de Babo. Et nous, on a dit, si cela est devenu nouveau, on vous est pas vu. Babo, là, on ne met pas son nom sur la liste. Et il serait plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un passé douloureux et nous le maudissons tous les jours. Et ça va rester si ça. Éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Je suis soumis. Ok. Et donc, comme les gars aiment ça, ils disent comme ça que eux, on ne mange pas goudron. Nous aussi, on dit de la même manière que vous ne mangez pas goudron là. C'est comme ça, nous aussi, on ne fait rien avec votre seplou. C'est pourquoi on ne le met pas sur la liste aussi. Tant que vous ne mangez pas goudron, on ne le met pas sur la liste. Donc, on va voir qui est garçon. Et donc, on va passer la parole à notre commandant ici. Bonsoir, le commandant. Bonsoir, mon chao. Oui, comment ça va? Là, tout va bien. Est-ce que vous m'attendez 5, 6, 5 côtés paralysés morts? Tout est propre.
Ok. Il y a un son d'abord avant de rentrer, si vous me permettez, mon commandant. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao. Aujourd'hui, là, le commandant n'a pas voulu avec un nouveau son parce que je vais essayer de passer un détail à Serge Kassi. Donc, je prends lui-même son son pour lui piquer un peu. Non, si tu joues le son, si tu joues le son, on va nous bloquer pour droit d'auteur. Bon, ok, il n'y a pas de droit. Donc, 5-6-5 côté paralysé, mort, il y a des gens en Russie en même temps. Il n'y a pas de problème. Le mort, je ne pense pas ça de nous dire ça. Parce que matin, midi, soir, c'est toi qui parlais ça. Et aujourd'hui, voilà toi, voilà moi, colo, 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 même blé. Je te dis que deux fois pour nous, pas ça, de moi, me dis ça. Tu ne peux pas me dire ça. Bonsoir à toute la nation ivoirienne. Bonsoir à toutes les Africains. Bonsoir à tous nos mamans. Bonsoir à mon général éclairé pour vérité. Bonsoir à la plateforme où les vrais Africains qui ont le savoir se sont retrouvés pour promouvoir que l'Afrique vaut mieux que ça. Aujourd'hui, il y a un message d'abord à mon frère Serge Kassi. Pour te dire, frère, c'est un Ivoirien qui aime son pays, que le paradis qu'on nous parle même. Donc, tous les bombes qu'on peut t'appuyer sur eux pour détruire mon peuple, les deux morts, vous allez nous trouver sur vos chemins. C'est-à-dire, nous sommes les survivants, là, ceux que vous avez essayé de faire ce que vous voulez là. Nous sommes les survivants, les rescapés, on va dire. Et comme nous avons une autre vie que vous n'avez pas trouvée là, nous on a cherché à connaître la vie. Et aujourd'hui, on parle avec nos cœurs pour dire que la vie, nous sommes dedans là, nous oblige à vivre ensemble, qu'on le veut ou pas. Et les frères et sœurs, excusez-moi, nous avons nos communications, chacun a sa manière de parler, parce que si on dit on va détailler, on ne va pas quitter ici. On peut appuyer les choses là où il faut appuyer pour que c'est, voilà, ce que le message est destiné comprenne vraiment qu'il y a des gens qui en ont marre dans leur cœur. Mais, comme la vie nous oblige à vivre ensemble, on va se dresser certaines lignes pour que mon pays que j'adore, ce paradis-là, puisse aller mieux, quoi. Serge Kassi, vous avez crié, vous avez gueulé, vous avez dit tout ce que vous pouvez. Si nous, nos papas, vous avez dit, le Messie que Dieu a envoyé pour sauver l'Afrique, les gens ne veulent pas dire aux gens. Nous le savons, nous. Et aujourd'hui, tu es Ivoirien comme moi. On t'invite à venir en Côte d'Ivoire. J'ai un message à te donner. N'ayez pas honte. Si la vie t'oblige à dire la vérité, tu prends au moins ce que tu as comme pouvoir pour en profiter et de montrer ta bonne foi pour toujours, dans la chance que vous avez là. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire propre, prouvez aux populations ivoiriennes que ce que vous avez dit avant là, que c'est vous-même qui êtes pour nous et pas ça. Que c'est un faux, quoi. Que donc les Ivoiriens ont besoin de vous aussi, de promouvoir le président de la République de Côte d'Ivoire, le Messie de l'Afrique, qui s'appelle d'ailleurs Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Papa Bravo Dieu Alassane Dramani Ouattara. Quel homme! Je mort, oui. N'était pas là tant qu'un Ivoirien. Tu vois beaucoup de choses. Et je sais que ce message-là est passé. Et j'ai un message aussi pour les Maliens, pour le peuple malien. Malien, ben, Fola. Maman, roulement, cabon, voilà. Donc, dès le Kumalanaï, donc, Koro, donc, Doroni. À quel âge de Ouadidjan, coup d'état n'en a qu'un mal là.
Petit message, et je sais très bien que
nous, on est tellement écoutés que je passe le message au bon moment, là où il faut, parce que nous, nous sommes tes élèves et on sait comment il faut communiquer pour pouvoir désamorcer les bombes de 1900 euros, voilà, voilà. C'est trop difficile à le faire. Et peuple africain, c'est toi, on ne vous dit pas là. On sait, nous, on sait beaucoup sur nos papas là. Si vous pouvez trahir, je vous dis, écoutez-moi, si vous pouvez trahir vos marionnettes, vous dire, prenez exemple sur Alassane Dramane Ouattara, ou bien le peuple va se révolter pour dire Alassane n'a qu'à devenir président de la, des secteurs, ou bien un roi au moins, c'est quelqu'un qui a décidé, voilà, et là, vous allez voir comment le développement de l'Afrique là-bas, parce que c'est comme on dit, voilà. L'argent là, c'est non, c'est pas qui on le fait. Mais écoutez, techniquement là, parlant là, c'est le jeu là qui a la clé là. Charles, je sais, Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci infiniment. Et on va repasser la parole au grand maître Sundiata, le concurrent qui est là. Sundiata, on vous redonne la parole. Allô? Oui, allô, Sundiata, le concurrent, vous avez la parole. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Il n'y a pas de quoi. Alors, donc, j'avais dit que le problème de l'assainissement, que j'allais en parler, en ce moment, à Abidjan, beaucoup de communes sont confrontées à des problèmes d'assainissement. Ce problème, on le voit un peu partout. Les eaux de pluie ont endommagé par endroits certaines voies, mais il y a aussi des eaux de ruissellement usées qui ont endommagé les routes, certaines voies, mais aussi à l'intérieur. Aussi, on voit des égouts, des caniveaux, voilà. Donc, franchement, il est grand temps pour les maires des différentes communes, pour le ministère chargé de ces questions-là, de résoudre ces problèmes. Parce que de temps en temps, nous en parlons, mais il est aussi important de faire un rappel. Donc, aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Bobo, à Djamé, à Yopougon, vous voyez un peu ces problèmes. Il y a aussi le problème des ordures. Voilà, il est aussi important d'enlever les ordures. Parce que de plus en plus, on peut constater que les uns et les autres, ceux qui sont chargés d'enlever les ordures, ils peinent à enlever les ordures. Nous ne savons pas trop pourquoi, mais il faut que les gens fassent leur travail. Le curage des caniveaux, cette opération avait été faite avant les grandes pluies. Nous saluons ceux qui ont eu à faire ce travail. Mais aussi, hein, avec les pluies qui sont tombées, on voit que les caniveaux aussi ont encore besoin d'être vidés. Donc, il faut que ce travail soit fait. J'avais déjà évoqué ici la question des bidons en plastique. Il faut installer des poubelles pour les bidons en plastique. Mais aussi, au-delà des bidons en plastique, il y a la question même des poubelles. De plus en plus, lorsque vous parcourez les rues, il est difficile de voir des poubelles. Lorsqu'on installe les poubelles, ça facilite un peu le travail de ceux qui enlèvent les ordures. Mais si vous parcourez 200 mètres, vous ne verrez même pas même de poubelles dans beaucoup de communes. Vous parcourez les 100, les 150, les 200 mètres, vous ne voyez pratiquement pas de poubelles sur les routes. C'est compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un plan spécial pour la lutte contre les ordures, l'enlèvement des ordures, l'hygiène publique. Il faut qu'il y ait des poubelles dans ce sens-là. De plus en plus, nous n'en voyons pas, nous ne savons pas pourquoi. Mais c'est pas intéressant. Si on veut vraiment protéger notre environnement, il est important d'avoir les poubelles sur nos routes. Il est aussi important d'avoir des poubelles pour recueillir rien que les bidons en plastique. Parce que même en ce moment même où je parle, beaucoup de caniveaux, vous allez vous rendre compte que c'est rempli de bidons en plastique. Ça pose un problème écologique. Nous en avons parlé, mais le problème n'est pas encore résolu. Il est important de revenir là-dessus. Donc, il faut que les uns et les autres se penchent sérieusement sur cette question. C'est très important. La grande saison des pluies est terminée.
Vous avez vu la pluie a fait quelques dégâts, surtout sur les routes à l'intérieur des communes. Donc, il faut que ceux qui sont chargés également d'entretenir et de réparer les différentes routes, il faut qu'aussi ils fassent leur travail. Il est important de faire des entretiens pour préserver l'état des routes, pour faciliter la libre circulation aux usagers de la route. Donc, voici ce que je voudrais ajouter. OK. Vraiment, merci infiniment pour ce que vous évoquez, parce que ça y va du bien-être même des populations et aussi même de l'esthétique, parce que c'est important. La gestion du président Ouattara va avec l'évolution globale du pays et ce n'est pas toujours facile. De grands moyens ont été injectés pour le drainage des eaux, mais toujours est-il que c'est aussi en face des problèmes qu'on voit les limites. Et nous disons déjà merci au gouvernement qui en fait suffisamment, mais avec toutes les failles que nous voyons, ce sont certainement des zones à corriger. Et ça, j'ai quand même espoir, parce que c'est un gouvernement qui est au travail et nous avons déjà cette foi qui nous met à croire que les choses vont s'améliorer. On va repasser la parole au cyclone s'il veut la reprendre, ou bien à son commandant. Je ne sais pas lequel des deux est déjà prêt. OK, éclairé. Je dis merci à M. Swindeta, merci à le prêt et à mon commandant qui est venu faire son intervention. On lui dit merci. Et merci à tous les auditeurs. Éclairé, en réalité, les politiciens de Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il y a la politique en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, nous les Ivoiriens, on sait comment on peut diriger un État. En même temps, tout le monde ne peut pas être président. Même ceux même qui ont passé par accident, c'est parce que tout le monde ne peut pas être président qu'ils ont échoué, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas connus, ils ne peuvent rien apporter. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est de venir mettre la population en balade. À leur temps en Côte d'Ivoire, petit temps qu'ils ont passé sur la tête de Côte d'Ivoire, l'état de Côte d'Ivoire, chers parents, ça a divisé, ça avait divisé tous nos parents. Ça a fait qu'on ne se regardait même pas avec l'amour. Ils ont rendu tout aigri. Mais derrière, il n'y a rien du tout. Tout simplement, et ils font ça comme tous les jours, tu nous fais savoir ici, pour cacher les mauvais côtés et ce qu'ils savent faire. Ça, je vois rien. La Côte d'Ivoire et nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas besoin de faire. Tout ce qu'on doit faire là, c'est de soutenir le gouvernement à travailler pour nous. C'est ça notre intérêt. C'est pour ça qu'on doit se battre. C'est pour ça qu'on doit faire tout. On doit s'imposer. Mais quelqu'un qui peut nous servir, pas pour se servir. Mais Dieu merci, avec l'arrivée du président de la République, il y a eu beaucoup de changements. C'est pourquoi ces bandits, ils ont problème. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de réunir des petits groupes, venir donner et les faire savoir ce qu'ils savent faire. Pour aider, dénigrer, ils n'ont jamais proposé. Ils ne peuvent pas proposer. Serge Ivoirien, il ne peut rien proposer. C'est quand on connaît, on propose. Mais il ne connaît rien. C'est pourquoi ils étaient au pouvoir. On a vu tout ce qu'ils ont fait. Prendre l'argent des contribuables. Où ils sont censés à faire les hôpitaux, les goudrons, et augmenter le salaire des gens, nous soigner et rendre la vie moins chère. Ils prenaient pour payer des racailles, pour donner à leurs filles. C'est tout ce que les gars savent faire. C'est à nous les Ivoiriens. On doit se poser beaucoup de questions. Où on peut trouver nos bonnets? Et nous, on n'a pas dit à quelqu'un d'aimer le président de la République. Je le sais là, M. Alassane Ouattara. On ne peut pas obliger quelqu'un de l'aimer. Ça, jamais, on ne peut pas le faire. Mais quand même là, on peut le soutenir. On peut prier pour lui. On peut protéger, on peut l'aider, aider le gouvernement à protéger ce pays parce que nous sommes en paix. On dort bien. La vie des Ivoiriens, ce n'est plus. Les gars, le corps à Dieu ne vient pas détruire la vie des Ivoiriens. Tout le monde est protégé. Et tout le monde sort, tout le monde rentre. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Et c'est ce qui va s'imposer à nous.
Parce que la majorité ont perdu beaucoup courant dans cette affaire. Par la grâce de ces deux vauriens, Harry Kola Bédier, qui vient de Ghana, et c'est un Béninois, c'est sa maman qui vient de Ghana. Et Babon Laura, son papa c'est un Maraka. Et c'est sa mère qui est, comment dirais-je, Bété. Mais lui, tellement il n'a pas eu d'amour à son enfance, tellement il a été. T'as dit tout ce que nous, les enfants de mariage, là, nous, les enfants que nos mamans ont aimé nos papas, nous, ensemble, la majorité des Ivoiriens, que l'esprit prend nous, on est obligé de s'aimer et aimer nos pays. Mais c'est là, malgré qu'ils étaient chef d'État, ils n'ont rien donné. Non, ils sont partis de la manière calamiteuse et tombés comme un fruit pourri qui sentait et qui nous dérangeait. Son retour là, il n'a même pas eu honte, il n'a pas eu pitié, il n'a pas eu des remords pour ceux qui sont morts. Pendant ce temps, il n'a pas un seul enfant qui est resté dedans. Et après, son enfant qui vaut rien, avec ses oreilles, on est rétrovisé des remords. Voilà lui, il est en train de faire tout ça là pour imposer ses enfants. Si vous et vos parents étaient tués, et ils ont pris vos cheveux pour aller vous envoûter au Bénin. Dites Dieu merci. Les Ivoiriens, tout vous dit la vérité. Et même vos propres sympathisants, il y en a plus qui ont compris. Et ils voient le direct, ils vous disent. Mais ils disent Dieu merci et ils ont vu clair. Qu'est-ce que toi tu attends? Est-ce que tu vas toujours te laisser manipuler par ces voyous, par ces bandits, par ces braqueurs de BCAO? Par les chercheurs de petits filles qui ont dilapidé nos biens. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Et quand on vit un pays, là, d'abord, là, c'est les enfants de ce pays. L'intérêt, là, c'est sur nous, ça doit venir. Ils sont là pour protéger nos vies et nos biens-nés. Papa a fait quoi pour nous? Est-ce que cibler un parti de pays et essayer de bombarder, assassiner les enfants, est-ce que papa a pensé? D'ailleurs, on va vous rappeler, on a plein de nos frères qui sont morts. Ils avaient des femmes bêtées, femmes amies, femmes guérées. C'est là, ils sont morts. Pendant ce temps, les enfants sont là. Est-ce que si c'était toi, est-ce que si c'était l'un de tes parents, toi, tu allais te sentir à l'aise? C'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort de ton côté que tu commences à les suivre. Et tous les Ivoiriens ont perdu courant. Parce que ces deux vauriens là, Harry Kola Bédié et Bi Babo. Donc, ce ne sont pas des exemples pour nous. Et nous, on ne les voit pas parce que c'est un mauvais souvenir pour nous. Et M. Sundiata, vous avez parlé, éclairé, a dit. Nous, on dit au président de la République, avion qu'il a payé là, c'est trop moins cher. Nous, on n'aime pas ça. Il n'a qu'à envoyer, il n'a qu'à prendre ce qui est cher. Parce que nous, là, en Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on travaille. La majorité, là, c'est nous. Que vous ne voulez pas voir au pays là. Nous les nordistes là. L'argent là, ça est avec nous. C'est nous, on est là. Depuis on n'est pas au pouvoir, vous le savez. Donc impôt là, c'est nous, on paye. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien laissé. Vous n'avez pas de bilan. Vous avez détruit les vies des gens. Et vous voulez vous imposer. C'est quel impôt vous payez? Vous avez combien d'entreprises? Vous nourrissez combien de familles? Vous envoyez combien au pays? Et vous construisez combien? Il est temps qu'on se dise la vérité. Vous n'allez pas dire qu'on est en train de s'inventer. Hein? Non, c'est le travail qu'on fait. Qui est en train de dire? Qui peut dire le contraire? Et puis, notre président, notre papa, il a travaillé de ses 10 doigts. Galé, là, il a vu dedans. Il a roulé taxi aux États-Unis. Et il était étudiant avant de venir comme ça. Et il a servi tous les grands postes du monde pour moi. Papa, merci. Baraka veut tuer ça. Donc, à son temps-là, il sait qu'est-ce qu'il sait la galère. C'est quoi les jeunes ont besoin? Comment faut faire pour les aider? Parce que lui, il a travaillé, galère la vie. Babo, là, il faisait quoi? On dit qu'il était historien. On dit ses élèves-là, qu'il a appris, là, nous tous on le connaît, c'est le cuillère à gaz. Est-ce que ça fait l'exemple de, comment dire, un historien? L'exemple, c'est Guillaume Soro. L'exemple, Bien Goudé. Le connaît Katina. Le, comment dire, quoi, Justin. Le Surkou Tremé. C'est là, c'est des exemples. Ce n'est qu'un petit groupe de bandits que nous, on n'a pas besoin d'eux. Et nous, là, voilà, et puis là, nous, on va se venger. Nous, on ne peut pas laisser nos parents comme ça. À tête de. Parce que vous, il n'y a rien qui peut vous sauver. Et il n'y a rien qui va vous sauver. Parce
vous avez hanté, vous êtes hanté par les sangs de nos parents que vous avez assassinés. Et nous, on vous dit ça, paix. Et puis, de même là, nous, on est prêts à aller à la justice. Parce que cette fois-ci-là, tellement on va enlever dans vos corps, tellement on va enlever, en même temps là, on finit d'enlever, on s'en va se regrouper. La justice sera obligée de nous juger. Parce qu'on ne les voit pas. On va voir qui a provoqué, qui veut détruire la Côte d'Ivoire, qui voulait, là, après ça, quand chacun va rentrer chez lui, ou bien quand on va se trouver là, parce que pour vous là, nous, on n'a pas peur de ça. Prison, là, c'est fait pour les autres. Voilà. Mais si on a laissé, on a fait ta mort, on a accepté tout le monde, c'est parce que le papa a parlé, le président a parlé, prison sociale. Mais vous là, on ne va pas vous rater. Et la prière là, ça a pris. C'est pourquoi quoi Justin, en train de parler, lui il est étranger, lui il est bien de Guinée. Il y a même là, président là, c'est un mot, sinon on vous dit ça. Mais vous êtes dégagés, vous les Ivoiriens. Et puis j'ai très bien ce pays là. Et puis il n'y a rien. Et puis ça ne chauffe pas. C'est ce débat là que vous voulez entendre. Non, on est prêts sur ce terrain. On en est marre de vous. Et vous ne pouvez rien créer. Chers parents jeunes, depuis Ababi, la gare routière, moi-même, là-bas, là-même, c'est bouclé, confiance. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas dit. Parce que ce n'est pas toutes les stratégies pour payer ici. Mais c'est là. Quand ils vont sortir, ça ne va pas prendre trop de temps. Déjà, c'est bon. On finit avec le travail par la banane. La Côte d'Ivoire va respirer. Et les Ivoiriens vont respirer. Et l'appel va se saurer en prix. Sans payer quelqu'un. Voilà ce que je voulais dire, Claire. Okay. Je vais me suivre. Mais attends, d'abord. Avant de partir, j'ai une commission pour toi. Hein. Ok, à Blagadjibi. C'est deux commissions en fait, mais tu peux mettre ensemble et puis balancer quoi. Il n'y a pas de droit. La première commission là, pardon, faut te renseigner pour moi, comment on fait pour devenir Mossi? Je n'ai pas dit Burkinabé, hein, pour devenir Mossi. Parce que moi je suis okay. Là. Si un Mossi est venu en Côte d'Ivoire et puis commande les Ivoiriens là, sincèrement, moi j'ai envie d'être Mossi pour commander aussi. Donc faut te renseigner pour moi, comment on devient Mossi. La deuxième chose là, il faut dire à Ouattara, que nous, on lui donne l'ultimatum d'une semaine. Avion qu'ils ont payé, là, n'ont qu'à retourner. Et puis, n'ont qu'à multiplier les 45 milliards. Là. Il n'a qu'à multiplier par deux. Il n'a qu'à aller nous prendre un avion de 90 milliards pour nous amener. Sinon, s'il prend l'avion, là, il ne va pas rouler dedans. Est-ce que c'est bien rentré? Ok, merci beaucoup, Claire. Faut dire ça en Djoula. Faut dire ça en Djoula, ils vont comprendre. Parce que les Mossi, là, ils ne comprennent pas français. Il faut leur dire ça. Il n'y a pas de problème. Les deux commissions qui t'ont donné là, mm-hmm. Moi ben, j'ai tous les réponses ici, sans monter au bureau. Et en bas, on voit au Côte d'Ivoire, si nous repère, aïe à la mécanique, mi Fokagbo, mi Mandela, mi ça ne nous dirige pas. On a vu dans l'état de rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir une chanson. Ah, ça y a, on est fatigué, ah, ça y a, c'est nous-mêmes, on a payé ça même beaucoup. Et on dansait ça propre. Pas de mal, ça nous a enlevé. Avant, on a eu un mandimino. C'est là-bas, Ameda Dongéi. Voilà. Là, Ameda Yéo, on a mis pour. Agaïe, non. Ni Ako. Quand tu fais quelqu'un, Moussi. Et à Teta et Reta. T'es même un bébé Moussi. Et moi, je connais papa, Adokadi, et puis Moussi. Et moi, je vais le. Comment dire, genre. Kudugu. Oji. Kudugu. Oume Ouagouya. Voilà, Kudugu. Kouvre ma bébé, à verbe, à verbe. Ça veut dire que laisser passer, il n'y a rien qui peut te déranger. En paix, Moshi. Non, président a dit qu'il y a un Moshi. Et vous, les gars, nous sommes tous des Burkinabés propres. C'est nous, on a pris vos pays. Bon, j'ai ça propre. Il n'y a pas de débat. Et puis, si on vit les dirigés là, non, c'est là que nous sommes. Ama Nyani, pourquoi ça brille bien, mon Bena, ou Ariba Kono, Diamana Kono, Diamana Kono, Diamana Kono, Diamana Kono, Diamana Kono, Diamana Kono, et puis, à dit au terre. Ça là. C'est en 2100, en 2000 ans, on va commencer à réfléchir si on doit donner. C'est ça là. Et, Abba, il y a encore une romaine, non? Dis-toi, t'es quoi? Si là, c'est la bête, on va mettre ma courbe dans ta. On met béton blabé là. Nous, on est en bas au ici. Parce que nous t'en allons au corps. Voilà. Faut qu'on pogne la chienne. Et, mais c'est tout quand on t'aime. Cette fois-ci, comme on loue, coco, tu fais comme moi, Nina. On te fait comme quoi, il va respirer là. Andé ou bien, pas que vous voyez l'école là. Ah, autant tirer là-haut. L'école qui a mouru nous fabriquer. À quel âge nous les légumes solo. Bleu goudé. Le quoi juste. Le surgou tremé tremé. Voilà des noms comme ça. On nous a fait un examen à nous. Mais enfin, à télé là, il y a mal à nous. Même Bakila, au cas de démission, nous ira.
mais nous qu'elle a premier pour encourager au diable hier là au plat ou blanc là en peu placé le président à maman au bon moment là mais en jamana corodé ou elle met jamana corodé en bête ni chéri là ou t'en bête elle parce que d'autres chéri peut-être chéri mais au lourd chéri d'à côté là à mon bar là l'euro là cette fois ci là à ma télé l'air flané mété bisaba à ma peau n'y en a gagné et lui au coucher de goulé ni de goulé là. Je ne sais pas si tu es un homme. Et puis, on est là. 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 On est Demisele bege be hakki sorla bebe barala ame mi fodu ka laka president ka ambio misale cha era la cha bonyo yere asomo mancha wala abe a president benda koro akadoro mi so ka sala be aka ko lesa parce que amule jamana barakela we amule ni la kanano anya bion la kanano president da serafe mais o be impo jerusalem la lu jorbo oboro ko diwa ater president jorbo oboro. Au début, je vais là. Et je vais me faire un peu de temps. 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 Président vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu. Comme la ligne mène à Isabella et Begleba, sur le Miriam mène à Bebebo Zero là. On est chané, les deux Benakrema, Fatia Bedon Laski, Colino, Obey, Abedek Adoma, Menaka et Don Benteglema, Bila Bela Kodu di Nanyama, Adobe Atadi, Atadi, Abdam Fatani, Walla, après la Kodi, Anjaman Korodin Bema, Anja la Biasra, après la Kadi, à quel est le Perla? Ka fangandi demisonu ma mais ça dit fangandi demisonu ma ni ka bara yoro be muke ambiro mi sarani e olu be president le yela olu te jamana yela olu ko so an jamana ko ndeng amma ante ka ambla nunu ko nunu e mana mana mo ole sini le be préparer la té tous les grands hommes préparent demain président de la république serait cela monsieur Alassane Ouattara je m'incline trois fois il est en train de préparer autour de moi en train de boire. Mais les bandits patentés, Babo Laura et Bédié, ils ont laissé quoi? Il faut laisser les sauderies, les gonfrés vides, les cannes à sucre, les sucres bois, et Bédié est venu délapider tout. Au voir les barcouniers, avec un toronnais, avec un coup d'état organisé, comme militaire ou bononina, comme les Djamana Corodien Befa, allez à demain au esprit, la Djamana ni Diabo, et Mba Umfao, et ça va se gâter au lao. Au loup, Miri Aléni, mais à la terre seulement. Babo Fananana, allez, nana kana adama do le ni bo bele nana ya materao be fere o fue ka mingama ka ni toro ka zere popu ko obla ke ne pa iborie te iborie a kona yerema ka ko iborie o ma parce que anu ne tala parce que a lete iborie mi gere sane mo yobo kala ma ka ni iborie on ka tugu ya blani ngoche ka guya no ran fa kele mi prize ala fa ngwa tare ko lete iborie ka bamso dente ama mo so ala hina la. Il vient pas de Ouattarate, il vient de Tokyo, au Kakuma Befo, quand Mamamousso Sege, quand Ivoire est en Toro, quand Baka en Bonanina, mais à la banatoni, dans la Oula le corps. Mais en réalité, Oubarne en Tali, dans un compte dans l'homme de Mabla, a été à Platou, au 10 000 boules. Vous vous rappelez vous le corps, venez écouter, vous voilà, non, laisse pas. De quoi vous êtes capable de vous voir si c'est terrain. Et on vous dit, et je vais répéter, je dis nous on va se venger de vous. Il faut que ça soit clair. Vous ne pouvez pas assassiner nos parents. Et après venir nous narguer, ça ne passe pas. Monsieur le Président, ambiance est en train de faire. Faut prendre ce qui est plus cher. C'est nous on paye impôts. C'est nous on travaille dans le pays là. Parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est pourquoi ils bavardent. Ils n'ont pas nous montrer les résultats de ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'arrange pas. Les Ivoiriens travaillent.
et nous sommes convaincus du résultat du président de la République. Et nous espérons beaucoup encore envers lui. Monsieur le président, il m'incline encore. C'est toi. C'est toujours toi. Et ça serait toi. Et non, ça serait vous, monsieur le président. Parce que, oui, ça serait vous, monsieur le président. Avec toutes les considérations et respect. Mais les autres là, on n'en a rien à foutre. Éclairage, je m'arrête là. Et je problème. Vous dis merci, je me remercie vite. Il n'y a pas de problème. On va donc laisser le commandant Nyakou Pampou, s'il a quelque chose à dire, comme on a le Premier ministre qui est là. Après lui, on va donner la parole au Premier ministre. Merci beaucoup, Doyen, d'avoir me donné la parole. Mon pilote a tout ramassé à faire la arme du montant, si c'est un mauvais. Il se comporte, il est, c'est un bagnango. Il est dans mon vieux, moi, tout pareil, même la robe est là, mais je dis, ouais, mon pilote, c'est un vrai, mais après, tu es dans le fond, Dieu mort. Cela, tu, merci d'avoir me donné la parole, Chao. En des petits chapeaux, vous avez formé vraiment les voisins, ils appuient le bref dont ils parlent, qui quand on a. Je suis vraiment, vraiment content de mon pilote, d'avoir essayé de passer le message en bas, hein, clair. C'est pas aussi compliqué que ça. Moi, je vais essayer de passer le message en nous aussi. C'est pas aussi compliqué que ça, les frères. Si vous voyez aujourd'hui que nous, on est là et on réclame toujours que nous sommes les rescapés, c'est parce qu'on en a marre. Et c'est vrai, c'est le vrai rescapé qui reste. Hein. Donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a passé là. Nous, on ne peut pas nous manipuler. On voit la vérité. Le vieux là est venu prendre pouvoir là dans le fil. Devant vous tous, tellement que non, les araignées là étaient accrochées partout. Et ils ont tout. Charles là est venu prendre ça. Il a fabriqué ça. On est là, on parle à côté. Charles là, il a tout dit. Est-ce que les Ivoiriens, vous me connaissez même? C'est le père ou frère qui me connaissait, qui vous-même dit même que. Il fait conscience, il fait plus conscience, mais vous allez apprécier. Mais c'est là, on est là, il voit un bio, on a commencé à parler tout. En ce moment, ceux qui doivent essayer de dire vraiment s'ils sont vraiment, ils aiment les Ivoiriens, ils vont envoyer au moins les gens et les plans là. C'est pour faire le coup d'État. Alors qu'on le sait tous, que celui qui ne veut pas se faire le coup d'État doit s'apprêter. Mais pour s'apprêter, ce n'est pas dans la bouche. C'est les moyens financiers. Et l'Ogier est obligé, ce qu'il va prendre pour financer au moins pour les Ivoiriens, là, il est obligé de prendre ça d'abord pour les Ivoiriens. La priorité, c'est quoi? Les mettre en sécurité. Si tu vois que tu trouves quelque chose pour les belles choses, pour les gens qui vivent. Et ça, je vais dire aux Ivoiriens que ceux qui sont contre Côte d'Ivoire, là, ils font tellement mal. Que vous ne voyez pas. Donc l'argent pour sécuriser le pays, là, c'est d'obliger. Là, il ne parle pas si c'est terrain là. C'est quand on s'en va prendre l'avion, parce que l'objet là, quelqu'un qui a déjà fabriqué l'enfer à paradis. Vous voulez que lui, il soit poussé dans le boulet, l'objet va se coucher. Et l'argent là, est trop petit. Chaque fois qu'il va se coucher, lui, quand il va mettre son pied comme ça, et puis c'est... T'as à côté quoi. Et puis miroir partout. Et quand vous regardez l'objet là, c'est vos catégories. Ça c'est le luxe. Même son sourire d'abord, ça démontre que c'est lui. Lui c'est le luxe. Les Ivoiriens en nous, on se ment pour dire les hommes sont même chose. C'est faux. Les hommes sont pas même chose. Il y a des personnes, même quand ils les rencontrent, même la femme, même qui se demande, même Dieu l'a fabriqué comment. Mais les hommes comme ça ne sont pas beaucoup. Et nous avons gagné la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Et tellement fait démontrer clair. D'après les âges, j'ai dit, j'aime ma Côte d'Ivoire. Quand je vois des choses en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de parcourir un pays dans le monde. Je n'ai jamais vu ça à d'ailleurs. Quand vous prenez le parcours de Félix Houphouët-Boigny, où le monde est chaud, où c'est chaud partout, il est devenu papa de tout le monde. Il y a la guerre dans les pays, même quand on ne connaît pas, il s'en va prendre ses ressortissants, il vient là. Vous dites, je veux construire quelque chose que le monde entier n'a jamais vu.
et nous venons de loin et nous voyons tout ça. Nous, nous sommes des générations qui sont fiers d'être Ivoiriens. Et les gens viennent hypothéquer à venir de nous-mêmes, devant nous-mêmes, de là à là, devant nous. Et il n'y a personne pour faire ce combat-là. Et on ne savait même pas si un jour on allait quitter dans ça. Et tellement c'était chaud. Si le Dieu ouvre à sa fin, Dieu est fort. Hein? Ça peut venir démontrer qui il peut. Et la personne montre que vraiment c'est lui qui peut. Le Dieu dit de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Et on ne prend pas ça parce qu'on est Ivoirien, on aime lui. Le Dieu la meurt. Il y a des artistes qui viennent pour dire le grand Baoba est tombé. Il parle de petits Yodé ici. Et nous, les Ivoiriens, tellement on aime boire les bandits. Quand on commence à se saouler maintenant, on écoute ces morceaux-là, Zo, Amen, Amen, Zo, on a des chiens de poule. Parce que on s'est rendu compte qu'on avait un trésor, et le trésor, on ne peut pas l'attraper. Et aujourd'hui, il y a un trésor même. L'autre là, c'était diamant. Hein. Mais moi, mon papa, à la table là, c'est Loulou, c'est-à-dire le grand frère des diamants là. C'est ça. Et aujourd'hui, lui, il est venu prendre dans ses. Et il a démontré tout le monde, même les choses, ça crie partout. Lui, le monde, ça l'est vraiment de comprendre. Et puis, nous, on a critiqué, on voit que ça soit zo dans le carton. Lui, ça a pris même. Et il ne dit pas là. Il dit ce que les blancs même n'étaient pas là. Lui, il a la clé même comment les choses fonctionnent. C'est pas vous ne savez pas, les Ivoiriens. Le président Alassane Dramane Ouattara était le directeur de comment on appelle, le sous-directeur de l'FMI. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité de diriger le monde entier. Si vous ne savez pas les idiots qui se disent qu'ils sont les intellectuels là. Vous imaginez, l'argent c'est... L'argent, oui, on est d'accord que c'est un papier. Et les banques, c'est une communication. Mais il faut des gens qui réfléchissent à cela. Mais vous voyez là, lui, sa réflexion, c'est pas... C'est que les gens connaissent là. OK. Aujourd'hui, on attend, il y a les économies partout. Mais ce que les gens ne savent pas faire, comment il faut anticiper, au moins dans les 100 ans là. C'est Charles là qui a fait des clés de ça. Et voilà pourquoi la foule du bateau en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop fort que vous. Avec ça, nous on est là pour vous expliquer ça, on est là pour vous expliquer ça. C'est pour l'État où vous voulez, où vient les vengeances, vous voulez. Ok, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, vous allez voir des belles choses. Mais ce que nous déplorons, est-ce que vous prenez au moins nous obliger là d'aller défendre la Côte d'Ivoire quand l'objet là, c'est un bravo terre. Ce que vous ne savez pas, on n'agit pas dans son pied, là. Dès que tu prends ton maillot là, il t'attache là parce que c'est élastique. Bref, donc nous remercions nos présidents, le père de la nation, le papa de tous les Ivoiriens, le sage de l'Afrique. Louvier, ton projet là, que le Seigneur t'accorde sa puissance pour que tu puisses au moins honorer tout ton projet. Amen. Mais Louvier, pour le faire, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux, Louvier. Aujourd'hui, on arrive à un moment, il faut que les Ivoiriens, convaincus d'ailleurs de vos travaux, de vos sagesse, de vos humanismes, fassent un bloc derrière vous. Et Louvier, nous sommes ces personnes-là. Mais Louvier, pour le faire, nous avons besoin de la justice. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens ne veulent pas ceux qui ont sens dans leurs mains dans la politique ivoirienne. Cela veut dire quoi, Lozé? Cela veut dire que si Gbagbo est condamné d'avoir passé le PCAO, Lozé, son ce dernier qui a les larges bouches là, qui est là, crié, qui s'appelle Katina Kone, là. Lozé, il doit être au nous. Il y a un bafou sur lui, il faut le laisser. Il y a un bafou sur lui, c'est pourquoi il doit être au Youf. Roger, c'est aussi clair que... C'est clairement clair. Il doit être au Youf.
c'est le même processus là qu'il envoie autour là-bas. Et pour le respect des Ivoiriens, et pour montrer vraiment que vous êtes un grand homme, que vous, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, pour montrer aux Ivoiriens que vous, vous appréciez les choses juste à leur valeur, c'est Denis qui a déchiré pour mettre les coups, plonger la Côte d'Ivoire, où on ne devait pas partir l'osier, qui s'appelle Adias qui casse. L'osier, c'est clair et net, il doit partir au Youf. Concernant Laurent Gbagbo, il est vieux, nous le savons. Pour que les Ivoiriens se sentent tous Ivoiriens, ceux qui crient comme les Serge Kassi, tout le monde à sa place en Côte d'Ivoire, que vous avez déjà fait d'ailleurs, j'apprécie. Mais je ne peux pas vous demander ça sans dire aussi à mes frères qui pensent que tout ce que vous faites là, nous allons laisser ça passer. Qu'ils le sachent. Tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, vous avez, tous les politiciens ivoiriens, vous avez un problème avec la nouvelle génération. Quand nous avons un grand homme devant nous qui s'appelle Éclaireur pour vérité, qui nous explique chaque jour. C'est-à-dire, quand on attend sa voix, on est excité. Et on va vous cracher des choses que vous-même, vous ne vous attendez pas. Merci beaucoup, mon général. 5-6-5, côté paralysé, moi, c'était le commandant Nyakou Pamina. Merci beaucoup, le commandant. Merci d'être aux commandes du navire et du vaisseau. On a ici le Premier ministre qui va nous faire un coup. On lui dit déjà bonjour, le Premier ministre. Oui, bonjour, l'éclaireur. Moi, je ne comprends pas, Pierre. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Je voulais te poser une question. Oui, il y a un militant du PPACI qui était, je crois, le secrétaire national technique en charge du tourisme de Laurent Gbagbo. Il est décédé. Il est décédé le 17 juillet 2023. C'est Gbagbo qui l'a tué ou mais c'est Dieu qui l'a tué? C'est ça. C'est une question qui véritablement ramène les gens à la réalité. Ah, donc ça veut dire que c'est pas seulement les gens du RHDP qui meurent. Moi, je pensais qu'eux ne mouraient pas. Les gens qui marchaient beaucoup ici, là. Beaucoup sont morts, hein. Ah, c'est Gbagbo qui les... Beaucoup, ils ont été venus connus, hein. C'est Gbagbo qui les a tués. Ça... Question. Tout le monde se pose la question. Ça doit les amener à réfléchir. Ça, en fait... C'est vraiment dommage que des gens, c'est-à-dire, quand on est en forme de stratégie et qu'on n'a rien à proposer, qu'ils implorent Dieu pour qu'ils éliminent leur adversaire. Bon, ça, je pense que dans un État moderne, un État qui se respecte, ces gens de personnes-là ne doivent pas faire la politique. Ils doivent faire ce qu'on appelle la précipitation ou bien du charlatanisme. Ils doivent aller trouver des points là-bas pour aller. Essayer de trouver des âmes perdues. Sinon, eux, ils n'ont pas leur place dans la politique. Parce que quand on parle de politique, on parle de stratégie. Ils n'ont aucune stratégie. Voilà des gens qui sont dans l'opposition et ils ont des critiques, mais ils n'ont aucune proposition. Et même les critiques, quand on va dans le fond de la chose, parce qu'ils ont géré la chose publique, quand on va dans le fond, ils n'arrivent même plus à assumer leurs critiques. C'est dommage que des gens qui ont dirigé de ce pays se plaignent que la présidence s'octroie est un avion digne de ce nom. J'ai l'impression que c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voilà des gens qui ont vécu sur les acquis du Fouboy. Ils n'ont rien apporté au pays. Et ils sont étonnés que les acquis du Fouboigny augmentent. Ils nous ont rabâché leur histoire de nous. On prend crédit. Comme si eux-mêmes ne savaient pas en dépit. C'est-à-dire qu'ils connaissent la dette de la Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes leur dette en banque, là, ils ne connaissent pas.
Voilà, l'irresponsabilité des gens et des autres. Oui, la Côte d'Ivoire vit à crédit. Mais on est prêt à celui qui veut rembourser. Ah oui, les banquiers ne volent pas le cadeau, hein. On te prête parce qu'on sait que tu peux rembourser. Et le président, il est gentil. Le président, il est gentil, mais ignore. Voilà un pays qui se dit, voilà des gens qui disent que le pays est en difficulté. Mais quand une voiture sort ici à Paris, là, le soir même, là, c'est Abidjan. La même voiture à Abidjan. Et nous avons dit un pays en difficulté. C'est-à-dire que tellement le pays se porte bien que les gens, ces catalogues, ils regardent vous passer comment. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient ici, les gens, les grands boulevards là, en train de passer commande, quoi, ils regardent les catalogues et puis la commande là, ça arrive manu militaire. On ne peut pas dire que le pays ne se porte pas bien. C'est clair. Mm-hmm. En 2011, la Côte d'Ivoire avait 55% de taux de pauvreté. Mm-hmm. En 2023, on a 35%. Et j'ai dit, on a fait baisser le taux de pauvreté de 20 points. Mais les 20 points, là, on a pris, c'était dans les années Bédier. Mm-hmm. Les 17 ans Bédier, tout ce qu'on fait là, c'est là qu'on a ramassé les 20 points. Les 20 points de pauvreté là. Et ça, on est obligé de plonger ça. Et notre objectif même, c'est de descendre sous la barre des gens. À l'horizon 2030. Le pays ne peut pas habiter passer à 32 dollars. Un pays, on dit, très faux, moitié, tout ça. Mais ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Hein. Maintenant, les gens vont dire non, les Ivoiriens ne mangent pas les fruits. Les Ivoiriens meurent de faim. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, pour monter sur l'Ivoirien qui est mort de faim. Un seul Ivoirien qu'on a l'entiré, parce qu'il n'a pas mangé. Ça ne reste pas. Oui, est-ce que vous voyez qu'on en tire parce qu'il n'a pas moyen? Ça n'existe pas. La faim ne tue pas les Ivoiriens. La faim ne peut pas tuer les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on ne meurt pas de faim. Ça, c'est un. Et de deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout peindre en noir. C'est impossible. C'est impossible. Parce que même de 33% de taux d'électrification en 2011, on est passé à presque 87 à 90%. Donc, même quand je vais faire en noir, les chiffres sont là. On avait 1 million d'abonnés, on en a 3 millions maintenant. C'est-à-dire de 1960 à 2011, on avait 1 million. De 2011 à 2021, on est passé à 3 millions. Soit 10 ans. On doublé ce qu'on a fait en ce temps. Mais quand on dit ça, les gens pensent que c'est... Les gens pensent qu'on aime trop le président. Mais ce sont des réalités. Et ça, on a besoin de... On va vous rapprocher ça dans les oreilles. Mais là, vous n'êtes pas content, allez chercher, puis venez nous contredire. Lui, parce qu'ici, il n'y a pas de contradiction. Les chiffres sont là. On s'appuie sur des chiffres et des données claires. Les gens qui disent oui, on attend certaines personnes qui disent oui. La constitution a dit, il a fait deux mandats. Bon, à partir de maintenant, la même, la limitation des mandats, il n'a pas oublié. C'est-à-dire que le président, si Dieu lui donne une longue vie, il va aller jusqu'en 2035. Ils vont s'arranger comme ils peuvent avec la constitution. Il va diriger le pays jusqu'en 2035. Celui qui veut, il reste, il ne veut pas, il va en exil. On n'oublie pas quelqu'un. Mais si tu penses, et toi, tu as fait ton programme de gouvernement en comptant sur un coup d'état de Guillaume Soro, à force de remettre au travail, parce que ça n'a pas marché. En tout cas. Non, ça n'a pas marché. Qu'un coup d'état n'est possible en Côte d'Ivoire, bon. Et que le président a parlé, nous, on en sait beaucoup. C'est pas possible qu'on fasse un coup d'état en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas possible. Donc, les politiciens qui veulent accéder à la magistrature suprême n'ont qu'à se mettre au travail. Et ils n'ont pas commencé à faire leur projet de société et puis ils vont venir draguer les populations. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de draguer les populations pour voter pour vous, mais est-ce que c'est forcé de faire la politique?
Et peut-être que vous serez mieux. Vous serez mieux comme un DG ou bien, je ne sais pas, directeur de publication quelque part, je ne sais pas. Danseur d'Adios. Bon, voilà. Je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, gérer des salons de massage et inviter votre ami Sonko à venir. À venir goûter à la prestation. Non, mais tu vois, en fait, ce sont des gens. Tout le monde pensait que, en Côte d'Ivoire, on ne pouvait rien construire. Hassan Ouattara est venu démonter le contraire. Le point arrive, on a dit, je faisais partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. 5 ans de pouvoir, ils n'ont pas pu construire. Hassan Ouattara est venu en 3 années, le point est sorti de terre. Comme si, comme par magie. Mais il n'y a pas que ce pont. Dans le pays, on a construit au moins 22 ponts comme ça. Quand les gens regardent, ils disent non, la route de l'eau ne s'est plus pas Abidjan. Mais c'est vrai. Parce que les 50 km de route qui ont été bitumées là, ce n'est pas Abidjan. Hein. C'est à travers le pays. À travers le pays, les 5 000 km de reconstruction de voies qui ont été faites, c'est à travers le pays, ce n'est pas Abidjan. Donc, si on rentre dans les réalisations région par région, bon, je pense que ceux-mêmes qui parlent là, il y a longtemps, ils ne sont pas arrivés chez eux. Il y a longtemps, ils ne sont pas arrivés chez eux. Donc, quand on a quelqu'un comme ça, un bâtisseur, un éclaireur, c'est le plus vieux roi de France. C'est-à-dire celui qui a eu le règne le plus long en France, il s'appelle Louis XIV. On l'appelait le roi soleil. Il a fait 72 ans de règne. Et c'est dans ça qu'il a construit France qu'on voit là. Les châteaux de Versailles, les coffres, tout ce qu'on voit ici, là, il a en 72 ans. Et puis vous voulez que nous on fasse alternance en 5 ans, alors que notre pays en jachère, alors qu'il n'y a rien, alors qu'on n'a encore rien fait. Oui, Obama pouvait être président aux États-Unis, mais il ne pouvait pas être président en Côte d'Ivoire, sinon ça reste aussi lui. Hein. Ah oui, si maintenant en Côte d'Ivoire, les gens ont dit, mais toi, tu es aux États-Unis, là, tu connais rien. Parce qu'il n'a pas pouvoir réaliser aucun projet. Mais c'est Hassan Ouattara qui fait ça. Quand les gens disent oui, mais Mandela est venu, il a fait un mandat. Mandela même, je dis même qu'il signe dans son visage, il n'a pas mis. Il existait déjà. Donc, même s'il fait zéro mandat même, ça fait quoi? Il n'a rien construit. Donc on ne peut pas, nous les pays en développement, on ne peut pas nous imposer, même le fait de limiter les mandats est antidémocratique. Parce que vous limitez les choix des électeurs, alors que la démocratie dit que tout le monde se présente et puis les électeurs font leur choix. Mais en limitant ça, vous privez des électeurs de certains choix, et c'est antidémocratique. Ils n'ont qu'à s'arranger avec la cour constitutionnelle, avec la dame qui est arrivée là. Elle n'a qu'à faire tous les informatiques qu'elle peut faire. Quand elle est sur la liste, jusqu'en 2035, si Dieu lui donne l'homme et puis la santé. Parce que pour ça même, nous on ne parle même plus. On ne parle plus, c'est eux. C'est eux, bon, depuis qu'il a fait le discours là, bon, ça les a refroidis un peu, évidemment. Ils sont rentrés dans leur coquille, ils sont. Vous avez vu ce que Ouattara a dit, il n'y a plus personne. Il y a un gars qui a déménagé au Libéria, il dit que tous leurs espoirs sont perdus après le discours du président Ouattara. Il dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il a raison. Parce qu'après ce discours, c'est même pas martial. Je pense que le président, il a essayé de rassurer les uns et les autres parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'investisseurs. Hein? On vient de fêter le 2200e milliardaire en Côte d'Ivoire. Pour une pays qui ne va pas bien, on a 2200 milliardaires. Donc on vient de le fêter il n'y a pas longtemps. Donc, le président est obligé de rassurer tous ces gens-là qui ont confiance au pays, qui ne sont pas à l'étranger, qui créent des richesses en Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit aux gens, venez investir en Côte d'Ivoire, mais il faut leur donner une taille de sécurité. Et c'est ce que le président a fait.
Et ils ont dit, ils sont dans les grands bas. Là, celui qui dit qu'ils ont la montre ou qu'ils ont la télécommande de leur manifestation, nous, on les attend. Oui, on les attend. Parce que quand ils vont sortir, lui, il va plus sortir. On va le cueillir pour l'envoyer à la marque, hein. Et puis on va lui donner. Il va dire, c'est là le voisin de Peter 007 là-bas. Peter 007. Qui a pensé qu'il était gardé, qui pouvait tout faire. Et tu vois qu'il est réduit, à un signal, et puis personne n'en parle. Hein. C'est comme ça le président. Personne n'en parle. On dit ses parents sont venus demander pardon. Pourquoi le président n'a pas pitié? Et Clara a dit, le local est lit, le petit Nicolas. En tout cas. Oui, le petit prince. Ça va Nicolas Machiavel. Le local est lit. Il dit, le président, vous allez manger ensemble. Mais quand il va voir que, malgré que tu manges avec lui, tu es en train de comploter dans son dos, demain matin, tu es en prison, mais il va te demander d'aller faire une retraite dorée quelque part, ni vu ni connu. Parce que dans le réel, il y a beaucoup de personnages qui ont disparu de l'échiquier. C'est pas moi, hein. Mais j'ai disparu comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais je n'existe plus. Voilà, c'est le bon compromis qu'on a trouvé. On n'est pas véritablement se salir les mêmes fois. Nous, ça aurait été d'autres. Ben, je serais passé des vies à plupart. Donc, sur ce éclaireur, l'État de Côte d'Ivoire qui sort un nouvel aéroport, ça c'est normal, hein. Ça, il n'y a rien de. Un État qui se respecte. C'est normal. Est-ce que vous voulez parler avec nous que les gens font en Côte d'Ivoire tout le temps? Hein? Quand on est venu en 2015, on était à l'opérateur indiqué près de 2 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on doit passer au moins là-bas des 4 à 5 millions. Mais pour un État qui a décidé de faire de son aéroport un hub où tous les avions ont transité pour partir là où ils veulent, ils vont faire des escales là-bas. Et si nous, on n'a pas bon avion, on va tirer qui? Hein? Et nous, on n'a pas de qualité d'avion. Et moi, non. Les gens, ils vont venir me voir chez nous. Donc, il faut leur dire, ils n'ont pas de qualité. Ils n'ont pas boire de l'eau, ça va leur passer. Et puis, ça va le seul, quoi. Ça, c'est pour la présidence. Mais un Côte d'Ivoire a commandé 4 Airbus. Ils vont mettre dans leur coffre. Assez bientôt, ça serait des lignes directes. Un Côte d'Ivoire Paris, un Côte d'Ivoire New York. Donc, ça, ce sont des bêtes. Attends, tous les pays qui se respectent. Non, les laissés trop en retard. Les laissés trop en retard. Ils devraient être heureux de voir que leur pays est en train de véritablement. Il y a un essor économique qui s'empare du pays. Ils devraient être très heureux. Mais non, les gens, ils sont rabougris dans leur coin, des aigris, des nœuds. Qu'est-ce que ça avait changé? Déjà, ça n'a pas modifié votre compte en banque, ça c'est qui? Et de deux, vous ne pouvez pas changer la vie des chrétiens. Donc vous pouvez avoir des essais, vous pouvez même avoir des cancers de sang, on va aller vous enterrer, mais ça ne changera rien dans la marche en avant de la Côte d'Ivoire. Donc, éclaireur, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter. Vraiment, merci beaucoup, le Premier ministre, pour cette sortie hautement utile qui remet toutes les questions au centre pour que ceux qui veulent s'instruire eux-mêmes puissent le faire et par tous les mécanismes possibles, on a pu donner les arguments qu'il faut. On attend maintenant nos contradicteurs venir avec leurs propres preuves. Sinon, tout a été dit et ça a été tellement bien dit qu'on va passer rapidement au grand maître Yann pour qu'il nous fasse ses propos et on va aller directement à la conclusion pour pouvoir fermer le direct de ce jour. Donc, bonsoir le grand maître Yann. Ben, oui, bonsoir mon grand oncle. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci au Premier ministre, merci à tous les panélistes, merci à mon frère Berthé, et merci à tout le monde. Je dirais comme ça, bonne année à nos frères et nos parents musulmans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est l'année nouvelle musulmane qui commence, l'année 1445 de l'Égypte. Voilà, et mon grand oncle, on n'a pas assez de temps, donc je vais essayer de dire, voyez, je pense que moi, pour ma part, à travers tout ce qui a été dit, que le président Ouattara, le grand homme, c'est une école de vie.
quand on regarde son parcours, quand on regarde sa trajectoire de vie, le président est une école de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous, là, à travers lui, tout ce qu'il a vécu là, depuis sa jeunesse, depuis son enfance, le parcours qu'il a fait avec son père, lorsque celui-ci était chef de guerre, pardon, chef de terre et à Saint-Doux, tout son parcours, quitter sa naissance depuis Dimboko, suivre son père son père à Saint-Doux, aller se retrouver à l'école au Burkina, revenir servir son pays, revenir servir la sous-région, revenir servir l'Afrique, servir le monde. J'ai été très touché lorsque le doyen S. Mamadou avait dit hier que le patriarche Barrow avait dit que ils ont un fils que les Blancs voulaient. Voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, cet homme-là est parti de rien, né dans la Côte d'Ivoire natale, dans son pays natal, fait tout ce parcours-là et revenu servir son pays et aujourd'hui est en train de nous donner l'exemple à travers le développement qu'il est en train de faire dans son pays, en train de nous donner vraiment l'amour et la fierté de notre pays. Imaginez-vous un enfant qui est né qui a à peine 10 ans et qui voit tout ce que le président Ouattara, toutes les réalisations du président Ouattara. Mais cet enfant-là, il est décomplexé devant ce qu'il voit en Europe. Il est décomplexé totalement. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça, je pense que c'est aussi une manière, une façon aussi, une politique aussi, pour décomplexer les mentalités face aux pays occidentaux. Voyez? Et nous, aujourd'hui, qui n'avons pas vécu cela, ou qui avons vécu un peu cela avec Oufo-Boigny, qui nous sommes retrouvés en Occident aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas imaginer la fierté qu'on a et que nos enfants auront, nos enfants qui sont nés en Occident, quand ils vont en Afrique, voir ce que le président Ouattara est en train de faire dans son pays, quelle fierté ils peuvent avoir, quelle fierté ils auront. Et ça, je pense que ça contribue à décoloniser nos mentalités, voyez? Et c'est ça qui fait de cet homme-là l'exception positive. C'est-à-dire comment, à travers sa politique, il arrive à impacter les vies. Il arrive à changer les mentalités. Il arrive à mettre à nu, les soi-disant opposants qui n'ont jamais rien apporté à part nous plonger dans nos instincts tribaux, à part nous plonger dans la politique tribale, à part nous diviser pour mieux nous régner. Et à part, pardon, et nous diviser pour mieux régner sur nous. Et lui, aujourd'hui, à travers sa politique de développement, nous sommes en train de dire, mais attendez, mais. Donc, du coup, c'est ça la politique alors. Parce que nous, on n'était pas habitués à ça. On était habitués à aiguiser nos machettes lorsque il y avait les échéances électorales. On était oublié, on était bien, on se complaisait dans notre pauvreté, mais on regardait nos voisins d'en face qui vivaient la même pauvreté que nous avec comme des ennemis. On les regardait en chien de faïence. C'est-à-dire on les regardait avec le regard avec l'œil du crocodile qui dort d'un œil et qui a l'œil un autre ouvert. Mais aujourd'hui, grâce à sa politique, de revalorisation de notre dignité grâce à la politique, de rehausser notre honneur. Aujourd'hui, on s'est dit, mais attends. Donc le pays là, aujourd'hui, on peut partir de rien et devenir quelque chose. On peut partir de rien comme lui, il est parti de rien. Mais regardez tout ce qu'il a vécu comme souffrance, comme humiliation, comme déshonneur. Mais il n'a jamais. Aujourd'hui, au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut à qui il veut. Et il n'a jamais revendiqué une certaine haine, une certaine animosité vis-à-vis de tout le monde, de personne. Regardez, on parlait la dernière fois que aujourd'hui, la question que Mère Aki posait concernant le cas, son cas, ce qu'il a pu vivre en tant qu'opposant. Pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas plainte contre le fait qu'il a été traité d'étranger dans son propre pays. Mais il n'en a que. Il s'en occupe pas.
Vous voyez, mais ses parents même s'en occupent pas. Et voyez comment est-ce que aujourd'hui tout ça, ça c'est pour dire qu'un grand homme, c'est pour dire que quand on a envie de réussir dans la vie, il faut accepter de souffrir, il faut accepter l'humiliation et confier son destin à Dieu et croire à son destin. Et le destin là, c'est pas que nous devenons un jour président, mais que chacun de nous tire une leçon de ça et dire que lorsque je me fixe un objectif, lorsque je me fixe, j'ai une vision, faudrait que, à part vraiment la volonté de Dieu, rien ne doit m'arrêter. Voilà ce que j'aimerais dire en substance. Que la vie du président Ouattara, c'est un cas d'école pour nous tous. C'est un cas d'école même pour ses ennemis qui veulent un jour exister et laisser leur place, et écrire leur, marquer leur existence. Et c'est ce que souvent mon grand-oncle dit aussi, que nous sommes là. Ce que nous, on est en train de faire là, dans 10, 15 ans, 20 ans, 50 ans, nos discours à travers cette plateforme-là restera et que nos enfants, nos petits-enfants disaient « Ah, ça là, c'est mon grand-père qui est en train de parler comme ça. Ça là, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Mon grand-père m'a dit que c'est mon arrière-grand-père qui était sur ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient à l'époque une plateforme. Parce qu'eux, ils seront déjà dans autre chose. Regardez aujourd'hui la soucoupe volante que le président Ouattara a déposée, qu'on appelle aujourd'hui le pacte des expositions. Mais un enfant qui naît, qui voit ça, il se dit, mais ça là, c'est pas dans les films des extraterrestres là qu'on voit les trucs comme ça. Ah, donc les extraterrestres là, nous aussi, on peut aussi faire ça. Regardez le frère qui est passé sur NCI, qui a parlé, le frère Diallo Nasr, j'oublie son autre prénom, qui aujourd'hui, qui travaille à la NASA. Mais ces gens-là, aujourd'hui, est-ce que quand ils sortent, ils parlent, ils passent à la télé, mais on peut dire, mais les portes de l'avenir, du succès sont ouvertes à la Côte d'Ivoire. Un enfant qui regarde à travers NCI le discours, qui est au CM2, qui voit ça, et qui voit aujourd'hui, qui va au parc d'exposition, qui voit une soucoupe comme ça, mais il s'est dit, mais je suis dans le monde des possibles. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce au président Ouattara. Il y a 10 ans de cela, je vous assure que personne parmi nous n'espérait autant. Mais il est en train de nous rendre, de nous dire que c'est possible. Et je suis content qu'aujourd'hui, on parle d'anticipation. Le président Ouattara, aujourd'hui, là, ce qu'il fait là, c'est quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps. Vous voyez? Et la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la nôtre. C'est la Côte d'Ivoire de nos petits-enfants que le président Ouattara est en train de préparer. Voyez comment nous devons aujourd'hui nous inspirer de lui. Mon grand oncle, j'ai tellement à dire, mais compte tenu du temps, je vais m'arrêter là pour te dire merci encore de m'avoir donné la parole et dire merci à cette belle initiative, cette belle plateforme-là dans laquelle nous sommes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président. Pour ironiser un peu, je vais dire le reste, débrouillez-vous. Ça, c'était un ancien, le commandant Kouaou, pendant la colonisation, qui disait ça. Que Dieu bénisse le président Oufo-Boigny, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, le reste, débrouillez-vous. Ça a été interprété aussi dans le film Sixième Doigt, où c'est Balle Poussière de Henri Dupac, où jouait notre cher aîné, Bamba Bakary. Merci, mon grand oncle. Merci à vous les panélistes. Une fois n'est pas coutume, vu qu'on a été vraiment pris par le temps, on ne pourra pas passer singulièrement à la conclusion aujourd'hui, mais je tenais déjà à dire merci à chacun des panélistes, merci pour votre détermination, merci au Premier ministre, merci au commandant, merci au Cyclone, merci à toi-même Yann, merci à Sunyata le concurrent, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui ont mis les cœurs, merci à tous ceux qui ont fait les partages. Vous savez, vous avez dit que la Côte d'Ivoire, pour l'enfant qui est né, ça restera une exception. En réalité, ceux qui doivent se débrouiller sont ceux qui se sont laissés dépasser par l'évolution de notre société et par l'opinion publique de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la jeune étudiante, mademoiselle Diarra, a me posé une question simple à répondre, vu que ceux qui doivent se débrouiller n'ont pas de réponse, ils font étalage de leur inculture, ce qui va démontrer de leur échec cuisant aux élections à venir.
simplement parce qu'ils ont volontairement accepté d'être dépassés par les événements socio-historiques de notre pays. Et aujourd'hui, c'est leur incapacité à répondre aux attentes des Ivoiriens dans toutes leurs composantes qui fait aujourd'hui qu'ils sont en retard. Ils doivent d'abord écrire un programme pour un programme qui est en accord et qui ressemble aux besoins de notre société. Et donc, quand l'incapacité devient un fait évident et notoire, ça ne peut créer qu'une confusion mentale, comme on a pu voir à la question de la jeune Ami Diarra, un certain individu être incapable de... qui s'est improvisé commerçant. Et ça, c'est une honte. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Demain, c'est la voix du ministre. Si je peux me permettre. Nous sommes piégés par le temps. Si je vous donne plus d'une minute, je vais en retard au boulot. Et c'est pourquoi. Okay. Oui. Mais demain, c'est la voix du militant. C'est pour encore ouvrir la brèche. Et demain, tout le monde aura la parole et tout le monde pourra exposer tous les sujets d'habitude. Nous nous excusons du temps qui nous piège en ce moment. Je dis merci à tous et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Okay. Merci à tous. Merci. Okay. Merci beaucoup.